Ah non! À l'aide! Non! Non! Tata! C'est le troisième. Troisième jour. Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième partie de l'épopée Undertale. Donc je reprends mes notes qui vont me servir à grand chose. Et donc, cette troisième partie de l'épopée Undying en génocide. C'est pas vraiment une épopée, on s'en fout. Et donc, le but, l'objectif de cette partie. Alors, la première partie a servi à un peu prendre des notes sur ces patterns. La deuxième partie m'a permis de voir que ces patterns, au-delà de la 15e, se répétaient à partir de la 19. Et ça nous a permis aussi d'essayer justement de voir que ça servait à rien de se soigner parce que ça ne faisait que retarder l'échéance de la fin, que c'est ça que je le savais déjà en plus. Et aussi que la partie la plus importante et la partie qui prévalait le tout, c'était lui défoncer la gueule et donc viser au milieu à chaque fois. Ce qui semble être super important quand même. Et donc, ce qui pourrait être intéressant, ça pourrait être justement de... d'essayer de faire des perfects à chaque fois. Alors je dis pas que c'est possible ou que ça va être simple, mais faudrait au moins que j'arrive à faire du 1500 et pas me planter. D'ailleurs, j'ai l'impression que des fois, il y en a un qui se barre, tu sais pas pourquoi, et donc ça te fait un 800 ou un 500. Ça va me casser les couilles. Mais bon. Donc là, maintenant, le but, c'est de le tuer. On a toutes les clés en main pour réussir. Voilà, j'ai les patterns sous les yeux. Non, franchement, le truc c'est que j'ai pas tout en main non plus parce qu'il y a certaines patterns que j'ai toujours pas trop compris comment les avoir, mais c'est pas grave. Mais ça va le faire. Non, ça va pas le faire. Je sais pas. J'ai pas envie de refaire une quatrième vidéo, franchement. Oh mon dieu! Quel est ce souffle qui m'impétue? Je sais pas, ça veut rien dire impétue. Hein. Bref. Je sais plus ce que je veux dire, moi je ne sais plus, j'essaye de meubler, je me dis je vais refaire du doublage, non ça ne sert à rien. On va y aller. Mais vite dépêche-toi, c'est bon, on n'a pas toute la journée. Donc là pour situer chronologiquement où on est, nous sommes le 21 mai, donc comme la deuxième partie, excusez-moi. Sauf qu'il est 22h11. Voilà, donc j'ai commencé pas plus tôt, hein. Là je me suis dit c'est bon là, hop, et je finis de manger, puis... Et puis on y va. You're gonna have to try to litter that. Bravo Tiflorg. Bon, ça fait 1134 quand même, mais je me suis un petit peu chié dessus. Alors là, si j'y réussis du premier coup, ça serait beau quand même. Ça serait pas une très belle quatrième partie quand même, hein. Le mec qui te fait une troisième partie, excusez-moi, il réussit du premier coup. Ça serait pas intéressant à regarder. Donc là, on va attendre 1h30, et puis à partir de là, je pourrais faire une vraie session et gagner. Hein. On va faire comme ça. Donc là, pendant 1h30, je me plante et après, je gagne. C'est ça. Comme ça, ça fera 1h50 comme les autres. Ça sera parfait. 1h50, je ne sais pas, parce qu'il y aura peut-être du montage sur les autres parties. Donc je sais même pas combien de temps ils vont durer. Hein. Et ça m'étonnerait que je laisse tout au final, parce que ça fait long, 1h30. Je sais que personne ne regarde mes vidéos let's play de 2h30, donc je vois pas l'intérêt de les laisser. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'aucune personne, pas une seule personne dans le monde, n'a regardé ces vidéos en entier. Mais pas une seule vidéo n'a été vue en entier, en fait. C'est incroyable. Bref. Et voilà, mais ça recommence. Et là, il y a un problème. Je sais pas ce qui se passe. J'ai l'impression, des fois, il y a le... Peut-être qu'il y a un clic qu'il faut pas faire, ou je sais pas. Il y a un truc que je fais qu'il faut pas faire et que je fais. Mais aucun moyen de savoir ce que c'est. Aucun moyen. Donc là, j'ai chié le premier. J'ai encore plus chié le deuxième. Ça va me casser les couilles. Oula, j'ai un problème de biglerisme. Là, je ne vois même plus ce qui se passe à l'écran. Oula, faut que je mette mes lunettes si ça continue. Pas mal, ça c'est pas mal, ça 1559, c'est bon, on est reparti. Mais attends, mais oui, mais là il y avait la queue du... Oh là, j'ai fait un petit zigzag, mais là je fais de la merde. Je vois même pas en fait, j'ai l'impression que mes yeux sont complètement morts. Putain, mais j'ai de la merde dans les yeux ou quoi, moi. Au premier degré pour le coup, là, j'ai vraiment de la merde dans les yeux en plus. Ah là, du 1500, ça c'est bien. J'entends même plus la musique, donc je sais même plus ce que je fais.
Et je fais... Ah, regardez, il y en a un qui a disparu. Un peu merde. Est-ce qu'on fait... Attends, c'est quoi après? Non, après les simples, donc ça sert à rien. Mais regardez! Mais il y a un bug! Je crois qu'il y a un problème, en fait. Faut vraiment y aller tout doucement. Faut vraiment bien cliquer. Parce que peut-être qu'il... Oh, 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 j'étais pas censé me planter. Non, là, je suis pas du tout dans le truc. Non, mais là, c'est un test. Hein. Vous allez pas croire que j'allais réussir du premier coup, non plus, espèce de... Bande de cons, là. On était sur quoi, après? Du cercle grand tourné. Voilà, vu que ceux-là ils sont durs, je peux pas me permettre de faire ça à chaque fois. Et après c'est quoi? C'est normal à l'envers, à l'envers, normal à l'envers. Je déteste celle-là. Non mais en plus c'est peut-être... Non si, elle est super dure, je crois que c'est l'une que j'arrive visiblement. Et après c'est quoi? Non, normalement celle-là j'y arrive. Donc c'est normal et on reste sur le normal. Mais putain, mais je sais pas comment faire. Je crois qu'il faut vraiment faire un clic, mais un gros clic. Donc là on... Je me suis suicidé là. Non mais j'ai vu comment ça partait. C'est mort, c'est mort, c'est mort. C'est mort. J'abandonne. Alors voici la... Bon bah c'est la fin de la vidéo. Ah non, il cannot end. Mais comment c'est possible? Il faut que je stay determined. Bon, je suis plus déterminé moi. Hein. Là je suis plutôt Bernard Minet que déterminé. Hein. Je réfléchis là, je réfléchis. Oui donc pourquoi... J'ai l'impression que ça plante encore plus. Ou alors c'est ma manette hein. Vous savez quoi, je posais ma manette sur le côté là et on va jouer au clavier. Comme à la bonne vieille époque. Car vous n'êtes pas sans savoir que j'ai fini le jeu deux fois. Donc les deux premières fins que j'ai fait, c'était avec le clavier. Donc ça doit être possible. Non mais je sais pas ce qui m'a pris en plus de faire comme ça, alors que c'est complètement infaisable. Hein. Surtout que mes touches de... Enfin, c'est n'importe... Enfin voilà, les flèches de mon clavier sont... Enfin voilà, elles sont indistinguables par rapport au reste du clavier. Ça marche mieux là, non? Ouais, j'ai l'impression que c'est encore plus simple. Oui, parce que là, vu le truc, là, c'est que maintenant, j'ai les 4... J'ai 4 doigts sur le clavier. Non, j'ai 3 doigts. J'ai mon index, je sais même plus comment il s'appelle ce doigt, c'est pas grave. Mon majeur et l'autre, là. Donc, s'il fait 3 doigts, alors que là, sur ma manette, j'ai juste mon pouce qui ricoche sur les autres. Alors, c'est peut-être plus simple, finalement. Sur le clavier. Non, c'est pas plus simple. Mais là, ça marche tellement bien. C'est bizarre. Mais en fait, c'est super simple. Je pensais que ça allait être... Je dis, oh là là, au joystick, c'est beaucoup plus simple. Mais en fait, pas du tout. C'est un leurre le joystick, c'est un leurre! Non, là c'est juste moi qui sais pas jouer. Hein, c'est... Mais en fait, non, c'est beaucoup plus simple au clavier. J'ai l'impression. Hein. Ah, c'est toujours le même lui en fait. Hein. Ça c'est clair. On en est où? Je sais même plus où je suis là. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Oui, on a fait le moyen. Donc là, oui, c'est gauche haut, droite haut. Voilà, j'ai fait de la merde, par exemple. Non, c'est peut-être pas si simple que ça, en fait. Ah, ça me casse les couilles. Non, on va reprendre la manette. Non, mais je sais pas, j'ai envie de la prendre, puis c'est tout. Qu'est-ce que vous aimez casser les couilles? Je déprime. La dépression. La dépression. C'est peut-être mal émulé, hein, moi, je ne sais pas, hein. Ma manette est mal émulée. Je sais même pas si le terme émulé est correct dans ce contexte-là, mais c'est pas grave.
J'essaye de meubler avec ma bouche, c'est complètement inutile. J'adore. C'est le mec qui meuble. Tu sais, il meuble même pas avec des mots, il meuble avec sa bouche. Il meuble avec sa bouche, c'est n'importe quoi. Et là, ça a bien marché, je comprends pas. Mais en fait, c'est beaucoup plus dur, hein. Parce que là, faut que je déplace mon pouce sur toutes les touches. Dire chaque changement, faut que je déplace mon pouce, alors qu'avant c'était juste un levage de doigt et un baissage de doigt de l'autre. Si vous comprenez ce que je dis. Putain, et finalement je pense que c'était encore plus dur que ce que je pensais. Oh là, ça c'est bien ça. Et faut que je regarde le... Mais en plus ça m'énerve parce que le... Notre moment d'invincibilité quand on meurt, il est très très court. Dans mes précédentes runs, j'avais des meilleurs objets, donc je pouvais survivre plus longtemps. Je sais même pas ce que je fais, et j'ai réussi, c'est incroyable. Oh, c'était de la merde. Là je suis déprimé en fait, je ne sais pas. Je vais même pas regarder ce que c'était là, là j'y vais au talent, c'est incroyable. Donc là, oh putain je déteste celui-là, le haut, le gauche, le haut gauche, haut droite, j'en ai marre. J'en ai marre de celui-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tourné trop tôt, c'est ça espèce de fils de... Je sais même plus ce que c'est. Ah oui c'est celui-là. Là par contre ça va être chaud, on se dit, ouais non voilà, on se met, voilà là ça va être, on essaye de le passer sans encombre, mais non mais il faut que je trouve un moyen de le passer à chaque fois sans problème. Mais regardez là, mais je suis débile, je fonce sur les flèches, mais regardez, mais j'ai foncé dessus là, carrément hein. Je sais pas comment en fait je peux être aussi con, parce que c'est super simple ça. Alors j'ai l'impression que la flèche m'est bloquée dessus. Non, là ça serait du suicide de rien prendre. Pour le coup. Mais oui, en fait, c'est des ronds en plus là. Mais largement que c'est des ronds. Attends, je vais mettre rond. Attends, j'étais où? Normal à l'envers, c'est des ronds. Mais est-ce que, en fait, t'as l'impression que c'est dur? Mais en fait, celui-là, c'est juste tourner en rond. Je crois, hein. J'en suis pratiquement sûr. Ah, sauf que là j'avais pas du tout vu que c'était cette pattern là, donc j'ai rien fait, j'ai même pas regardé ce que où j'étais, donc j'ai cru que c'était un autre qui était juste avant, enfin j'ai cru que je refaisais le même en fait, donc je viens de chier dans mon, voilà, En fait là je crois que j'arrive à un point où les vidéos ne sont même plus intéressantes à regarder là. Parce que là bon c'est bon, on a déjà vu Tiflorg mourir en boucle comme une merde, et là ça se répète à l'infini. Le seul intérêt qu'on puisse continuer à regarder la vidéo c'est genre Tiflorg qui dit des trucs intéressants, ce qui n'est pas le cas. Là, Tiflorg immeuble, il essaye de faire croire qu'il fait une vidéo intéressante, bien commentée, avec des commentaires intéressants. Et voilà, et le truc, c'est que je peux même pas faire des commentaires intéressants, parce que si j'essaye de réfléchir à des commentaires intéressants, j'aurai moins de réfléchissance pour faire des bonnes exécutions de pattern. Voilà. Oh, vous avez vu 1617, incroyable! Ça, c'est... ouais, c'est... Je crois que la phrase n'a même pas terminé, je vais me planter après, espèce de con. Oh! Ah si, ça m'était déjà arrivé ça, j'allais dire que c'était la première fois mais non, je sais que ça m'est déjà arrivé. Et c'est exactement comme l'autre fois en plus je crois. D'ailleurs je dis oh là là, je suis trop fort et puis je me dis oh là là. Et puis voilà, ce qui se passe c'est que ma skill redescend, mon intention redescend et donc là je me chie dessus. Et mais littéralement, d'ailleurs là je viens de chier sur mon siège, c'est terrible. Là c'est de la merde. C'est clairement de la merde ce que je viens de faire. Là, c'est la dépression qui va pas tarder à arriver, en fait, c'est... Je vois même pas où je vais, là! Mais c'est dingue, j'ai l'impression que mon main... Mais attendez, mais j'ai l'impression de devenir aveugle. Mais vraiment, c'est incroyable. Faut que je mette mes lunettes, mais... Le pire, c'est que je vois encore moins bien avec mes lunettes, donc c'est complètement débile.
Non mais si, je... En fait, je peux pas faire les deux. Soit je fais... Non mais putain, mais... Oh là, mais j'ai envie de me suicider. Alors, hop. Oh là là, mais ça m'énerve. Pourquoi je fais les bons trucs au moment où ça sert à rien? Ah, je pensais qu'il y avait un endroit, si on se mettait bien au milieu, on pouvait y aller. Voilà, là, il y a un qui a disparu. Il y a un truc que je comprends pas d'Undertale. Hein. Parce qu'il y a aucune raison qu'il disparaisse. C'est-à-dire, c'est même pas un truc qui se met deux fois pile au même endroit. C'est-à-dire, il disparaît. Et le nombre de points s'en ressent. Tu comprends pas. Putain, mais ça m'énerve de faire des scores, je suis désolé. C'est quoi qui m'a touché, là? Y'a rien qui va toucher là. J'en ai marre. Je crois qu'il y aura vraiment un quatrième jour. Et un cinquième, bon ben. Et un sixième. Et un septième. On va jamais y arriver. En fait, lui, c'est un entraînement pour essayer de te toucher au milieu. En fait, c'est ça, non? Connard, pardon, excusez-moi. Oula, ça m'a échappé là. Excusez-moi. J'espère que vous n'êtes pas senti offensé. J'en ai marre. Ferme ta gueule. Excusez-moi, ça m'échappe. Ouais, c'est pas mal quand même, 5512, mais bon. Je vais pas me plaindre d'un 1512 quand même. Je sais pas ce qu'il m'a fait, je sais pas. Je... Non, mais là, c'est bien un signe que je suis pas du tout concentré là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais arrête de t'énerver, c'est toujours la même chose. Je vais pas m'énerver pour la même chose. Tu sais pas ce qui se passe, on s'en fout. Et là, je sais même pas. Je sais même pas où je suis là. Je sais pas. J'ai pas l'impression d'être concentré. Je me suis dit je vais faire ça plus tôt parce que j'ai l'impression d'être plus concentré. Mais non, ça marche pas. Mais que j'aille me faire foutre. Hein. Que j'aille me faire foutre. Que j'aille me faire foutre. Je sais même plus ce que ça attend. Mais regarde tes notes, espèce de connard. C'est... Ah oui, c'est le truc que j'y arrive pas. Attends, mais il faut vraiment que je trouve un indice, sérieusement. Je comprends pas. Je comprends pas. L'aide, au secours, l'aide. Mais non, mais j'ai bien joué. Pourquoi que 1400, là? Bon là c'est mort, là j'ai... Oui j'ai toujours pas compris la pattern. Enfin je l'ai compris, c'est ça, elle a rien du dit, mais c'est complètement con, elle est simple à comprendre la pattern, c'est juste que t'es une grosse merde. C'est ça le truc, c'est que j'ai... Je suis une grosse merde. Je pense que c'est le... Et là il y en a... le dernier a disparu. Ou alors il y a un temps limite, je ne sais pas, c'est bizarre. Oula fais gaffe, il flore. Non mais je vais pas, non mais j'aime bien, j'ai plus de vie donc je me dis ah je vais faire gaffe. Parce qu'avant je faisais pas gaffe alors. Non mais là il y a quand même un complotisme étrange dans mon cerveau là quand même. Abruti. Là. Je sais même plus ce que c'est. Mais si en plus c'est ça, mais je le dis qu'il fallait tourner en rond et je fais demi-tour. Non, je ne jette pas d'objets dans la pièce. J'allais faire mais... 1302 c'est de la merde. Et j'ai même pas ressourcé ma vie. De toute façon elle est tellement simple celui-là. Merde, je me suis énervé, j'ai jeté ma bouteille. Je vais être obligé de la rechercher. Je reviens. Bonjour, est-ce que je suis encore vivant? Ça, c'est pas encore prouvé. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve. J'ai envie de voir des vidéos sur internet qui proposent des solutions, mais je sais que très bien qu'il y en a aucune. Des solutions. Des solutions, s'il vous plaît. Je veux des réponses. Comment on fait? Bon, bah, c'est ça. En plus, je sais très bien que la réponse va être bah, il faut avoir de la skill, il faut bien viser. Ah, bah, dis donc, je savais pas. Ah là là. Je suis vraiment trop nul. Non, mais c'est terrible en fait ce qui est en train de se passer quand même. C'est vraiment terrible. Moi, je trouve ça vraiment pitoyable. Ce que je fais est pitoyable. C'est-à-dire, les gens, ils vont se dire bah, attends, mais Tifor, mais t'es débile.
Ce truc-là, il sort en 2 secondes. Enfin, t'as juste à éviter les épées. Enfin, comment on peut être aussi con? Enfin, c'est ça qui est dingue. Tiflorg, il est si nul que ça? Non, mais attendez. Tiflorg est finalement une grosse merde. Incroyable. Non, je peux pas poster ça. Après, les gens ils vont se dire, bon, c'est bon. Tiflorg, le mec, on croyait qu'il était super fort. Non, c'est possible. Ah, on pouvait pas faire plus simple. On pouvait pas faire plus simple. Et j'ai réussi à me planter, bravo. Applaudissements. Non mais le pire c'est que je suis pas censé me planter sur celle-là, hein. Je suis pas censé me planter sur celle-là. Et je vais me planter. Non, celle-là elle est simple en plus. J'ai dit qu'il fallait faire des ellipses. C'est ça, parce que si je me rappelle. Mais non, mais là il n'y avait pas d'ellipse à faire. Mais me fonce dessus. Il me bloque le passage. J'ai l'impression, mais je sais même pas en fait si c'est possible de réussir à chaque fois. Ou s'il y a des fois c'est plus dur que d'autres. Parce que pour moi il y a clairement un facteur chance là. Attends, c'est quoi après? Oui. Clairement un facteur chance. Je sais plus ce que c'est après. Rapide, moyen, mon cul. En plus là je suis pas censé prendre de la vie, on n'a pas besoin. Putain mais tout avant. Allez 1280, c'est de la merde. Bah voilà. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai pas compris. Non mais là j'étais vraiment tout doux, je me suis dit hop hop hop, je tourne pop hop, sans me forcer. Ça va passer tranquille. Non mais voilà, c'est la skill. Et le 428, j'ai l'impression de m'être planté, j'ai fait 1428 quand même. Eh, j'ai l'impression que ça va plus vite qu'avant là, j'ai un problème dans mon cerveau ou quoi là? Mais c'est passé quoi là? Ça a été plus vite qu'avant là, le caca. Mais attendez, mais j'ai... Mais c'est la première fois que je vois ça. Mais j'ai l'impression... Attendez, je me suis dit ça va aller lentement, je vais y aller tranquille. Le truc allait plus vite que moi. Mais attendez, mais il y a un problème, il y a mon cerveau qui s'est... Il y a la notion du temps de mon cerveau qui s'est encore diminué là, non? Ou qui s'est accéléré... Enfin, je ne sais pas en fait comment dire, mais... Enfin, c'est bizarre. Je suis étonné. Je suis franchement étonné. Je suis pas censé me planter sur celle-là, c'est la pattern la plus simple du truc, donc... Enfin, l'une des plus simples en tout cas. Non, mais elle est super simple, elle est super simple. Parce que je veux bien croire que là je me suis fait toucher, bon d'accord, j'ai pas trop bien visé, mais. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement être concentré. Et essayer de viser au bon endroit et pas faire oulala, vite, il faut que je sorte, oh là là. Non, faut juste, hop, tu prends le trou, voilà, tranquillement. Voilà, il n'y a pas à s'énerver. C'est ça le truc, moi je suis énervé. Donc c'est pas ça qu'il faut faire, faut être minutieux. Moi je suis juste minus. Et prétentieux. Non, peut-être pas d'ailleurs. Je veux faire un jeu de mots, ça n'a pas marché du tout, c'est pas grave. Donc là c'était les deux qu'on vient de faire, je sais plus. Alors soit c'est à l'envers, normal à l'envers, soit c'est un deuxième. Je sais plus. J'ai peut-être fait à l'envers là pour le coup. Je sais même plus ce que c'est après. Ah oui, c'est le truc super simple. J'ai failli me louper. Heureusement que j'ai dit que c'était super simple, lol. Regardez, elle a la moins de la moitié de sa vie. Et je fais que 1302, c'est génial, ça ne sert à rien. Pourquoi je suis nul? Pourquoi? Juste pourquoi, hein. Non, parce que si je fais ça à chaque fois, on va jamais y arriver, en fait. Hein. Si je fais des erreurs de merde, c'est-à-dire, voilà, c'est des erreurs de... qu'on pourrait dire, voilà, d'inattention. Mais si je fais des erreurs d'inattention à chaque run, on n'est pas dans la merde. Mais vraiment, hein. C'est-à-dire que ça va jamais finir, là. J'ai pas l'impression. Encore une fois, là, je vois pas mon évolution de skill. J'ai l'impression de refaire exactement les mêmes erreurs à chaque fois. Et j'ai l'impression même de me morfondre sur ces erreurs. C'est-à-dire, je me dis,
Moi, je suis un peu fataliste, je me dis, je n'y arriverai jamais, on va essayer. Voilà, ça passe ou ça casse, et puis si ça casse, bah, c'est tant pis. Si ça passe, c'est tant mieux. Non, non, c'est pas comme ça que je dois faire, c'est que ça doit passer à chaque fois, et je dois me concentrer à chaque fois, et pas essayer de aller, ça va passer, ah là là, ça va. Ah bah non, mince, ça n'a pas marché, tiens, c'est étrange, alors que c'est la 15e fois que je fais la même erreur, mais bon. Abruti, va. Ah, j'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Franchement, je pensais pas que j'allais durer. Là, ça doit. Attends, est-ce que là, on est là? Je sais pas, là ça fait. J'ai fait deux parties de un peu moins de 2 heures. Donc là on atterrit, voilà, dans la 5e heure. Non, peut-être dans la 4e heure. Attends, j'ai fait la première heure. Non, 5e heure, 5e heure. Je pensais pas faire autant en même temps sur ce truc de merde. Non, mais je dois le dire, il y a des jeux qui ont une durée de vie moins longue que ça. Hein. Que un seul boss d'un seul jeu, je trouve ça étonnant. Non, il y a des jeux comme Braid que j'ai fini en 5 heures. Ce truc-là, en 5 heures, j'ai toujours pas fini, quoi. Mais merde! Ça, c'est bien joué, ça. Alors que ce qui est étonnant, c'est que justement, Braid, c'est un jeu qui est plutôt lent, il faut être patient. Alors que là, c'est un truc rapide, voilà, t'es censé. Voilà, c'est rapide. Bah non, c'est pas rapide. Je voudrais même pas savoir. Et en plus, voilà, je dis ça. Alors que c'est un boss que j'avais déjà commencé avant en off. Hein. Bon, pas tant que ça, peut-être si un petit peu quand même. Hein. Wow! Et en parlant, j'arrive. Non, mais voilà. Pff, moi, je suis comme ça. Moi, je parle en même temps de faire des trucs géniaux. C'est tout, il n'y a pas de problème. Y a pas. Où est le souci? Voilà, c'est. On a la skill, on ne l'a pas. Voilà, on a le talent, on ne l'a pas. Enfin, moi, je l'ai pas en tout cas. Vous avez vu là, il y a un moment où je me suis dit ça va pas passer, je vais faire demi-tour, je vais prendre la petite, le petit trou qu'il y avait derrière, et là j'ai passé entre deux flèches, incroyable. Je pense que c'est, voilà, c'est, mais je dis toujours ça, je dis en plus c'est un signe de God alors que c'est encore une connerie du genre, et c'est juste une fourberie de ce capin. Oh putain, ça c'est beau. Mais non, mais ça va juste alourdir ma déception quand je vais perdre, c'est tout. Hein. C'est-à-dire, oh là là, mais c'est comme tout à l'heure. C'est comme tout à l'heure, c'est-à-dire, oh là là, je suis trop fort, donc je vais me vanter de ce que je viens de faire, et donc je vais parler pendant que je fais des trucs, et donc je vais me planter, et donc là, je vais même pas être concentré, je vais me dire, oh là là, je suis trop fort, oh là là, regardez-moi, ferme ta gueule, putain. Donc là, on se concentre. Et voilà, il y en a un qui a disparu. Vous l'avez vu? Tiens, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? J'ai pas fait gaffe, j'ai juste pas fait gaffe. Bon, je me suis fait toucher qu'une fois, ça va. On va pas trop se plaindre, mais... Je suis une grosse merde, ça c'est le cas. Et donc là, bah le truc que j'ai du mal à réussir. Si je le réussis, on peut dire que c'est un signe de Dieu. C'est un signe de Dieu. On peut le dire. Donc j'ai gagné la partie déjà, bravo. Bon, voici Florent, tu as déjà gagné. Bon, la vidéo va plus durer longtemps parce que là j'ai déjà gagné en fait, c'est tout. Hein. Bah voilà, c'est tout. C'est un signe de Dieu là. Ah, je sais que c'est très très malchance, ça donne très très la malchance de croire qu'on a déjà gagné avant de finir la partie. Mais bon, j'ai envie j'ai envie d'être abruti apparemment. Donc là, ou gauche ou. En plus, je sais très bien qu'inconsciemment, je vais essayer de perdre justement pour que la vidéo fasse pas trop court, parce qu'imagine. Je mets une vidéo de 30 minutes alors que les deux premières parties font une heure et demie. Les mecs vont se dire, ah là, il y a un problème là les gars. Il y a un problème. C'est-à-dire que là c'est la fin. Et donc les gens ils vont croire que justement c'est la fin. Ils vont se dire, bah oui c'est déjà la fin. Mais donc c'est pas terrible. Ah oui. Donc inconsciemment je vais me planter là. Putain mais la vie elle descend tellement nulle à chiement. Je me fais toucher une fois. Putain! Deux fois! J'ai failli me refaire. Non mais c'est dingue. Excusez-moi, j'ai chié la merde. Oh, je m'énerve. Ah mais non. Ah. Parce que là encore, j'autorise bien une seule touche, mais putain, mais je comprends jamais ce pattern. Mais je me suis fait toucher. Attendez, je me suis fait toucher là. Putain, j'ai passé à travers la flèche là. Mais je ne la comprends pas cette pattern. Je suis désolé. Mais en fait, c'est cette pattern-là qui va me casser les couilles durant toute ma putain de run. Parce que je ne la comprends pas. Juste, je ne la comprends pas. Juste, je ne la comprends pas. J'en ai marre. Bah en fait voilà, il faut se dire, bon je peux me planter sur celle-là, mais sur les autres je me plante absolument pas.
C'est-à-dire que celle-là, il va revenir la 16ème. Mais en plus, même la 15ème avec l'épée piquée, j'ai du mal. Donc là, c'est à l'envers, normal à l'envers. Je suis fait toucher, j'ai pas compris pourquoi. Je pense qu'il y a eu. J'étais trop tard ou trop tôt, un truc comme ça. Ouais. Donc là, on reste sur le. On reste sur le pas même. Putain, c'est merde parce qu'il y en a qui sont déjà là, qui sont pas dans le même truc. Enfin... Donc là, on change à chaque fois. Putain, je crois que j'ai jamais vu aussi basse sa vie. Alors là, par contre, se faire toucher deux fois, hein. Se faire toucher deux fois. Se faire toucher deux fois sur cette pattern de merde. Alors là, j'ai envie de me chier sur la gueule. C'est incroyable. Putain. Alors je m'énerve. Non, parce que là, c'est peut-être la chance de ma vie, hein. Des chances comme ça, je n'ai pas tous les jours. J'ai réussi à me planter sur des patterns super simples. Je suis plus concentré, là. En fait, là, je suis en état de décérébration. La décérébration, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, je suis dans cet état-là. Donc, lenteur max. Donc, lenteur max, c'est super simple. Normalement. Normalement, hein. J'ai tourné au mauvais endroit et j'ai quand même réussi à la... Et là, elle me piquait. Je sens que je vais me planter, elle est au secours. Attendez, combien... Putain, mais regardez sa putain de barre de vie de mon cul. Elle a jamais été aussi basse. Et là, j'en suis sûr, je vais me planter au moment de tirer dans le milieu. Et je vais me planter dans les piquets. Je vais me perdre. Tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. Oh putain, elle était belle. Elle était belle. C'est de la merde, mais je m'en fous, c'était beau. Tellement longue et ça fait super longtemps que je crois que je l'ai pas réussi, c'est incroyable. Et là, ce qui va se passer, là c'est grave parce que là on retourne sur le putain de cercle gros comme je disais tout à l'heure. Donc qu'est-ce que je fais? Alors soit je me ressource en vie parce que j'ai très très peur, ce qui va ne faire encore une fois que retarder l'échéance. Soit on y va et on prie Seigneur Jésus et Marie-Joseph. On peut espérer gagner du premier coup en le tuant dès le début. Non mais 29 points de vie, ça va normalement, ça va. Ça va. Putain, j'ai tellement peur. Non, parce que là, c'est le stress qui me gagne. Là, c'est le stress. Putain. Oh, mon. Oh, j'aurais dû prendre une putain de vie, comment. Oh, j'ai pas du tout été concentré en plus. Hein. Oh, j'étais en train de me lamenter pendant que j'étais en train de jouer. J'étais là. Yeah, je vais pas réussir, je fais de la merde, allez vite. Parce que là, j'étais en mode ça passe ou ça casse. J'étais pas en mode j'essayais de faire des bons trucs. C'est-à-dire, voilà, mais je suis débile. Je suis débile. Alors vous allez dire, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Le mec, il est en mode ça passe ou ça casse ou il est en mode concentré. Quelle est la différence? Je ne comprends pas. Non, mais c'est dans mon cerveau. Donc n'essayez même pas de chercher. Je ne comprends même pas moi-même ce qui se passe dans mon cerveau. Ça me casse les couilles, hein. Parce que là, en fait, ce qu'il faut, c'est contrôler son cerveau quand on joue Undertale. Ce qui n'est pas possible. On ne peut pas contrôler son cerveau. Ça, vous, je ne sais pas si vous le savez. En fait, on peut le contrôler, mais qu'à des moments distincts de la période de le... Et voilà, je me suis énervé. J'ai rejeté ma bouteille. Je vais la rechercher. Oh, je suis complètement malade dans ma tête. Là, je commence à délirer dans ma tête. Oh là là, calme-toi. Après, les gens vont vraiment croire que je suis complètement taré. Ce qui est le cas, mais bon, faut pas que les gens le sachent. Enfin, ça serait quand même dommageable qu'on m'interne pour ça. Ah ouais. Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? J'aurais ressourcé. En plus, je m'étais dit, au pire, je me ressource sur celui-là. Voilà, je me dis, c'est la pattern que je réussis le moins. Donc je me dis, au pire des cas, je me plante sur celle-ci, mais je réussirai les trois prochaines, quoi. Putain. Ah, en plus j'avais bien réussi le piqué, mais de... Je suis sûr, je me serais planté une seule fois sur piqué, j'aurais pris une petite vie, j'aurais réussi justement à pas trop me faire toucher puisque j'aurais eu plus de vie sur l'autre, et j'aurais gagné. Enfin, est-ce que vous comprenez? Non mais là, je suis complètement fataliste et je... Non mais c'est complètement... Oh là là, je crois que je me suis tellement... Oh là là, putain... Oh, je crois que je me suis jamais autant énervé de toute l'épopée là. Ah là là, mais là je suis dégoûté. Mais non, mais c'était le destin! Je pouvais pas finir à 35 minutes de commencement. C'était le destin. Mais là, après, ça peut dire, voilà, il est possible maintenant. J'ai jamais été aussi loin, hein, en termes de points de vie enlevés. Hein.
Donc on a... Voilà, il y a toujours cette évolution qu'on voit, hein. Et c'est censé me faire plaisir plutôt que de me dire, oh là là, je suis une merde. Mais non, je suis censé être heureux et de me dire, ah là là, la prochaine fois, ça sera mieux. Ça ne va pas être le cas. Arrête. Ah, qu'est-ce qui va gueuler? Ferme ta gueule, fatalisme, là. Ah, il m'énerve. Mon côté fatalisme me casse les couilles. Ah là 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 là. Ah, oh, la vache. Ah, mais là, je suis dépression. Des coups, non, mais, des coups comme ça, là, dépressifs au possible. Enfin, des... Ah, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Hein. Ah non, mais là, c'est le plus grand échec de ma vie. Je crois que j'ai un échec aussi grand. À part ma vie amoureuse, je vois pas. Je vois pas plus grand échec dans ma vie que c'est. Oh, bordel! Oh là là! Oh là, mais. Je suis plus concentré là! Attends! En plus, il fait tellement chaud, il fait combien de degrés là? Il fait. Je sais même pas, j'en ai rien à foutre. Ah. Attends, je vais me déshabiller. Ah, mais il n'y a pas de webcam, donc c'est pas intéressant à regarder. C'est juste pas grave. Ah. Reconcentration. Attends, je vais boire une bouteille d'eau. Je vais boire une bouteille d'eau. Qui veut boire une bouteille? C'est très bon de boire la bouteille. Ah, il y a le bouchon qui est pas le massé là, mais c'est bon, j'ai bien bu ma bouteille. Ah la vache, j'ai l'impression. Mais j'ai reçu en fait un coup sur la tête. Je pense que je me suis reçu moi-même en fait. Je crois que je me suis automutilé. Ça, je parle même plus, j'ai même plus envie de parler. Je ferme mon Hooper, je ne parle plus, je reste concentré. La lenteur max. C'est un peu de la merde ça. C'est pas en faisant de la merde pareil que je vais réussir. C'est mort là déjà. Pour moi c'est mort. Non mais les coups de maître que j'avais fait tout à l'heure. Mais regardez, mais là je fonce sur l'épée. Oh là là, putain, mais j'ai le coin qui a toutes les épées qui sont passées. Il y en a deux qui allaient me foncer dessus. Mais ça s'est terminé avant, c'est cool. Là, faut que je me rattrape. Quoi? Alors là j'ai... Non mais là je suis plus concentré là, mais pas du tout hein. Là je suis plus concentré du tout. J'ai failli mourir comme une merde. C'est pas comme ça que je vais y arriver. Mais non, mais j'ai pas du tout l'impression d'être concentré en plus, c'est ça. J'ai l'impression d'être défoncé. C'est pas en se ressourçant en vie que je vais réussir. Putain, mais je l'avais. Ah, ça m'énerve parce que maintenant je vais déprimer à chaque fois que je perds. Putain, ah ça me casse les couilles. Pourquoi j'y arrive plus? Mais je suis plus concentré. Oh là là, je déprime. J'hésite à faire un Tipeee pour m'acheter des antidépresseurs hein, parce que j'arrive même plus à parler. 1260? Et quoi? Mais merde! Non mais là j'ai merde parce que je me disais c'est bon ça a passé là. Hein. Ça a passé. Attendez mais on va y arriver. Si j'y arrive pas je jette ma manette dans la pièce. Tu vois. Ça va faire ça. Put! Non je vais pas l'acheter. Non c'est bon. J'arrête. Je suicide. Allez suicide. Première fois que je me suicide mais j'adore me suicider. Voilà j'en ai marre. Donc là c'est la dernière part. C'est la dernière... J'arrête. Ça m'énerve. Comment je suis fataliste? Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ah, au secours. Pourquoi j'ai pas réussi tout à l'heure? Putain, mais en plus... Mais c'est dingue à quel point je peux avoir des regrets, quoi. C'est dingue. Ah la vache. Ah, mais ça m'a foutu le moral en merde. Ah, vache. Alors, mais là, je sais même pas, en fait, comment...
Parce que je me dis, si j'aurais pris justement... En plus, j'avais hésité, hein, c'est même pas comme si c'était un non-choix, quoi. J'avais hésité à prendre ça, je me suis dit, non, ça sert à rien. Il faut justement que je le batte le plus vite possible, ça se trouve, je le battrai avant de faire le truc. Tu parles. Putain. J'ai même plus envie de continuer, là. Putain. Mais là, je suis en décès. Et le pire, c'est qu'a priori, c'est pas le boss le plus dur du... Cette run génocide. Ah, mais c'est ça le truc, parce que si je dois faire 5 heures sur chaque boss, on n'est pas arrivé là. Moi le jeu, je le finis en 40 heures, là, mais même plus que ça en fait. Mais c'est ça qui est dingue. J'ai l'impression dans mes amis Steam, je suis le seul à faire 30 heures sur le jeu. Parce que là, pour tout vous dire, là on est à 29 heures de jeu. Là je suis à 29 heures de jeu sur Undertale. Hein. C'est inconcevable que personne ne fait ça. Alors que moi on m'avait dit, ouais, Undertale c'est un jeu court, en 5 heures tu l'as fini quoi. Bah voyons Undertale, voilà, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire, voilà, j'ai passé autant de temps sur The Witness que sur Undertale, c'est n'importe quoi. Ça c'est très bien joué, ça c'est God qui est avec moi. C'est toujours le même sur cette pattern. C'est bon, il y en a pas un qui a disparu. J'ai failli m'en mêler les pinceaux. Ça s'est plutôt bien passé. 1449. C'est bizarre, j'ai toujours l'impression de faire 1449. Putain, j'aurais pu passer en milieu si j'avais mieux visé. Waouh! Waouh! J'ai touché ou pas là à la fin, je sais même pas. Faudrait revoir au ralenti, mais j'ai l'impression que la dernière épée, je crois que je l'ai échappée de justesse. Mais je suis pas sûr en fait. Je crois que je me suis pris, je sais pas. On va. Mais non, je me suis pris, c'est obligé, j'ai un 35 là. Je sais pas. Là, j'ai complètement loupé le tempo. Premier crab apple. Là je fais de la merde, J'étais pas censé me planter sur celle-là. Donc c'est mort pour moi. Si j'arrive à me planter sur un truc simple, c'est... Ça me casse les couilles. Ah là, mais arrête d'être déprimé. Ah, tu me casses les couilles, Tiflorg. Hein. Ah. Ah là, mais c'est pas joyeux quoi. C'est pas motivant d'avoir un moral de merde pareil. Connard. Donc là on est à gauche au droit. Voilà le truc que personne n'arrive à faire, que moi j'arrivais pas à faire. C'était pas du tout celui-là, en plus bravo, c'était celui d'après. J'ai quand même réussi à rectifier ma connerie, mais de justesse. Ça c'est beau, ça veut peut-être dire que c'est God qui m'appelle, indirectement. Deux fois de suite, bravo. Ça c'est God qui m'appelle aussi, qui me tue deux fois, bien sûr. C'est pour me renforcer dans ma motivation, bien sûr. Connard. Putain, mais je sais jamais c'est quel pattern maintenant. Et donc là, je vais chier. Alors là, c'est. Oui, là, c'est bien celui-là. C'est le cercle grand de foi. D'ailleurs, ce qui est drôle, hein, parce que c'est celle que je déteste le plus. Et c'est celle qui est deux fois de suite. La seule pattern qui est deux fois de suite. Je pense que c'est un message. Enfin, c'est surtout pour indiquer que c'est une salope, cette putain de pattern. Pourquoi la mettre deux fois de suite? Y a aucune raison de mettre ça deux fois de suite. Moi, je suis étonné. Pour moi, y a un complotisme derrière. Bon, ça va, si je me fais toucher qu'une fois, ça va. Par contre, si je fais 1281, ça va pas aller. Ouais, mais si je me fais toucher au début, ça va pas aller. Là. Si je me fais toucher deux fois, ça va pas aller non plus. Là. Surtout que je me serais touché fait trois fois, ça aurait été mort. Maintenant là c'est... Non, rap... à l'envers, attends. Rapide, à l'envers. Normal, à l'envers, rap... Non. Ah, à l'envers, normal, à l'envers. Et là ce qu'il faut faire c'est faire des ronds. Mais pas... Oh putain le con. J'ai fait tomber.
Oh là, mais non, mais là, j'ai chié, là. Oh là là. Eh, mais je... Non, parce que là, je fais quoi? Je retarde l'échéance. Et je retarde l'échéance ou ça sur le putain de cercle grand. Oh là là. Donc là, on reste sur le normal. Oh putain, c'était tellement fluide si je pouvais faire ça à chaque fois. Putain, mais j'avais enlevé tellement plus, j'ai l'impression, avant. Oh putain, j'avais super bien rectifié, juste après je me chie comme une merde. Alors là, je décède. Et après, c'est quoi? Lenteur max. Lenteur max, pas besoin de vie. Putain, mais ça s'enlève de façon tellement lente que ça me casse les couilles. J'avais parce qu'il y en avait encore toujours plein. Et là, c'est quoi après? Piqué grand. Alors là, là, je vais pas faire la même connerie que tout à l'heure. Je vais pas me dire, oh là là, avec 18 points de vie, je vais y arriver. Non. Même si c'est pas, si c'est probable, bah tant mieux. Hein. Moi, je... Mais là, mais regardez, j'étais bloqué. Hein. En fait, faut faire des 8. Bon, bah celle que je déteste maintenant. Hein. On la connaît. Je sais pas pourquoi je la déteste tantôt en fait. En fait, il y a deux. Ça avance vers moi, ça tourne en même temps. Enfin, c'est un casse-tête de connard. Et là, après, c'est quoi? C'est grand rapide. Mais en fait, c'est juste grand. D'accord. C'est l'épée grand, donc dans le petit carré, là. Enfin, dans le moyen carré, on va dire. Donc là, on peut. Est-ce que je me dis que j'ai pas besoin de prendre de vie? Mais non, mais j'en ai pas besoin en fait. Hein. Mais non, parce que si j'en prends une, je vais jamais le tuer. Je vais pas me prendre une vie à chaque fois, non, non. Mais si je meurs, bah je mourrai. Mais ça va faire comme tout à l'heure, je vais me chier dessus. Regardez, il lui reste quoi? Il lui reste rien, il reste même pas le quart, là. Attendez, je vais prendre ma règle pour savoir combien il lui reste. J'ai pas de règle sous la main, si j'en ai une dans ma trousse, normalement. Bordel. Alors, je prends ma règle. Alors là. La truc fait combien? La truc fait à peu près 2 cm. Elle fait combien? Attendez, je vois. Ma règle est complètement dégueulasse, en plus, incroyable. Ah, elle fait 8. Enfin, elle fait de 1,8 cm. Et là, ce qu'il me reste, c'est... il me reste 6 cm. Donc, il reste le tiers. Attendez, le tiers? Mais attendez, mais c'est complète. Attendez, est-ce que je sais mesurer avec une règle, moi? Mais c'est pas le type, mais si. Mais attendez, mais si, en plus. Attendez. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre qu'il me reste ça, là? En plus, c'est pas vrai du tout, qu'est-ce que je raconte? Alors, qu'est-ce que je fais? Je meurs ou pas? Je sais que je vais le regretter. Alors, je vais pas faire la même erreur que tout à l'heure, et donc je vais faire la même erreur que les autres fois. Parce que dans les deux cas, c'est une erreur. Donc si je réussis, bah tant mieux. Mais je réussis dans quel cas? Parce que si je meurs, bah... Waouh! Et donc là, j'ai gagné ou pas? Ça m'a servi à quelque chose? Non, parce que ça m'a servi à rien. Si je l'avais pas pris, j'aurais réussi, donc... Non? Donc, mais si je l'ai pris... attends, qu'est-ce que je dis? Moi, j'en sais rien de ce que je dis, mais... Ferme ta gueule, Tiflorg. Ah là là, mais c'est pas en faisant 1000 de... Bah c'est bon, j'ai mort. Là, ça va me faire une partie de plus pour gagner. Épée piquée. Allez, on est parti avec le piqué. Non, le piqué, franchement, c'est pas le plus dur, mais... Putain, je crois que j'ai jamais été aussi long. Mais putain, mais tourne là! Il faisait des trucs de fou! Je n'y arriverai jamais, 27 avec l'autre. Parce que là, on arrive au cercle grand. Non, 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 c'est trop risqué, c'est vraiment trop risqué. Il me reste un crab apple. Et j'ai toujours pas pris le Snowpiece que je ne prendrai jamais de toute façon. On est clair, hein, je ne la prends pas la Snowpiece. C'est ma petite contrainte personnelle. Deux fois de suite, putain. Trois fois. Incroyable d'être aussi con! D'ailleurs, ce qui est intéressant là, c'est le 20ème. Hein. Donc, ça veut dire le 21, j'ai toujours pas fait. Donc, soi-disant, on ne connaît pas le 21ème. Moi, je la connais. Puisqu'on a des cercles grands. Donc, là, normalement, ça serait l'épée grand. Donc, celui, l'un des premiers épées qu'on a eu. Si ce n'est le premier épée qu'on a eu. Ouais, c'est ça. Donc, c'est toujours la même chose.
Oh la vache! Comment j'ai tout évité? Il y en a un qui m'a traversé de façon non oblique. Je ne sais même pas ce que je viens de dire. En tout cas, j'ai jamais été aussi loin. J'ai 8 points de vie. Je peux prendre. Là, franchement, je prends le truc, je suis à peu près sûr de gagner. Franchement, c'est ça le truc. Parce que là, je suis à peu près sûr de perdre si je te prends. Non, parce qu'en plus, là, le prochain, le 22e, c'est le petit 3. Et le petit 3, c'est l'un des plus simples, mais j'ai déjà réussi à me planter dessus. Qu'est-ce que je fais? Attends, est-ce qu'il reste combien de vie, lui? Putain, mais il reste rien, regardez, c'est un micro-pénis. Ah là 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 là, qu'est-ce que je fais? Parce que, attendez, des items, est-ce que j'en aurai des meilleurs que la Snowpiece plus tard? Je ne sais pas. J'en sais rien. Mais vu que c'est un item unique, on va éviter de le paumer, je pense. Franchement, je pense qu'on va éviter de le paumer. Même symboliquement, je pense que c'est pas une bonne idée de le paumer. J'ai très peur de ce que je vais faire. J'ai très très peur. Putain, il lui reste rien. Oh putain, je... Ah, ah, à l'aide, au secours. J'ai plus de vie. C'est quoi le prochain? C'est le piqué. Ah, à l'aide. Attends, 22, petit 3, je vais le noter quand même, ça sert à rien. Mais bon, ça veut dire que j'ai quand même été jusqu'au 22. Je suis très content de ça. Donc là, j'ai fait 21-22, j'ai jamais été jusque là. Donc là, ce qui se passe, regardez le micro-pénis qu'il y a. Si je me plante, si j'arrive à faire un truc, il y en a un qui disparaît, j'arrive à faire 823 de points de vie enlevés, je peux me planter. Mais non, mais ça, je peux pas. Attendez, si j'avais enlevé des trucs aussi petits que ça à chaque fois, on serait déjà à la 31ème, là. Putain, j'ai tellement peur. Oh, mais en plus, regardez, quand j'étais sur le petit 3, là, mais j'étais en stress total, hein. D'ailleurs, je me suis planté, hein. Là, je perds mes moyens, en fait. Je suis plus concentré. Je perds mes moyens. C'est-à-dire, je suis tellement en stress que... Ah la vache, j'ai tellement peur. Mais regardez là, y a rien. Je vais me planter. Arrête d'être fataliste, espèce de con. Excusez-moi, je parle avec ma schizophrénie. Je sais pas si vous avez remarqué, mais... Alors concentration, parce que là le plus important c'est pas le piqué. Là c'est de réussir tout de suite en fait, parce que j'ai peur de mourir après. Oh, oh, oh putain la vache, le perfect. Oh putain. Damn it. Avec un point de vie, putain! Ah, c'est beau! Ah, c'est beau! Ah, putain! Je crois que j'ai jamais autant joui depuis. Oh, je ne sais pas, en fait. C'est une jouissance qui. Incroyable! Putain, mais en plus, vivre cette jouissance en vidéo, c'est que. Ah, la vache! Ah, putain, j'ai envie de me masturber, mais je vais éviter de le faire en vidéo, ça serait complètement gênant. Attendez, je respire parce que là, je n'ai pas du tout les joueurs. Regardez, je t'en sais tellement fou. Un point de vie. Un point de vie, c'est-à-dire à un point de vie près, j'étais mort, quoi. Je comprends même pas comment c'est possible d'avoir un point de vie restant, en fait. C'est ça qui est dingue. Mais bon, voilà, vu toutes les fois où je m'étais fait tuer à un point de vie près, là, j'ai réussi à gagner un point de vie. Voilà. Oh la vache. Ah, c'est ça, non, Attends, faut pas que l'ordi plante, faut pas qu'il y ait un écran bleu Windows 10 qui arrive parce que lui il va me casser les couilles. Il y a un truc qui va se passer, il y a une coupure de courant. Je m'en fous, je suis sur ordinateur portable donc y'a pas de soucis. Ah, donc voilà, on va se dépêcher. Il y a peut-être ce qu'imagine là, Undertale ne répond plus là. Non, mais c'est. Non, on va y aller. Alors, on fait du doublage. Non, peut-être que ça enregistrait d'ailleurs, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a une sauvegarde qui est mise. Bon, bref. Damn it! So, even that power, it wasn't enough? 3 petits points. Hey. If you think I'm gonna give up, hop, you're wrong. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais tu vas give up toi, hop là, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Non mais là, y'a pas de... Imagine, y'a une seconde face, il me chie sur la gueule avec un piqué ou un cercle comme ça. Ah! Cause I've got my friends behind me. Ah, c'est pour tes friends. Non, j'ai très peur au coup, pour le coup, en fait, parce qu'il y a encore de boss, il y a encore plus de boss qu'avant, ça sent... Oh, j'ai peur. Parce que là, en plus, la Road Genocide, voilà, il y a encore plein de trucs, j'ai peur de voir ce qu'il y a encore, en fait. Je chie dans mon froc, là, en fait. Je sais pas, ça se trouve, en fait, la Road Genocide, elle se termine déjà, en fait.
Je sais pas ce qui se passe, parce que là, à cet instant de la run, là, avant justement Undyne, la run se passait plutôt normalement. C'est avec Undyne où justement ça a tout changé, et justement, elle nous attaquait avant même qu'on ait censé la rencontrer. Donc j'ai très peur. J'ai très peur de ce qui va venir. D'ailleurs, je sais pas, vu qu'il est 15-57 minutes, on peut continuer ensemble jusqu'au boss final, pourquoi pas, hein, tant qu'à faire. Cause I got my friends behind me. Alphys told me that she would watch me. Oh là là, je suis complètement mélangé dans les phrases. And if anything went wrong, she would evacuate everyone. By now, she's called Asgore and told him to absorb the six human souls. Quoi? Attends, elle va absorber les six human souls d'Alphys? Non, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? And with that power, this world will live on. Elle est en train de fondre là ou quoi? Ouh. Enfin, enregistrez, enregistrez, dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Attendez, il y avait un truc là avant. C'est où qu'on enregistre? Non mais imaginez, imaginez, il y a un monstre qui me chie dessus. J'ai très peur de ce qui va se passer, parce que ça n'a pas enregistré là. Hein. Mais non mais de toute façon, je suis con, il n'y a pas de monstre, puisque j'ai tué. J'ai très peur. Mais j'ai très peur en fait là, parce que j'ai plus de, en plus j'ai plus de médicaments. Il me reste que la Snowman Peace en... Ah sur 64, imaginez, je meurs. Oh putain. Oui! Incroyable, le mec est content d'avoir sauvegardé. Ah, il y a des abrutis sur Terre, moi je vous le dis pas. Mais ça fait bizarre, parce que j'ai déjà fini le truc là. C'est fini. J'ai du mal à me rendre compte en fait, hein. Non mais avec le recul, je me... Attendez, faut que j'ai du recul là. Je viens de terminer un truc en à peu près 5 heures là. Ah, je sais pas en fait, non peut-être pas. Si, 5 heures, à peu près. Mais à plus même, parce que vu que je l'avais fait un peu tout seul. Putain, c'est vide, hein. Welcome. Ah oui, il y a un problème, normalement c'est welcome to Waterfall. Non, pas Waterfall, justement c'est... Ah, je sais même plus comment il s'appelle cet endroit. Mais oui, normalement ça bouge là. Parce que... Tout est mort. Oh putain, là c'est morbide quoi. Oh, je sais même plus comment il s'appelle cet endroit. Oh là là. It's a water cooler. Take a cup of water. Bah pourquoi pas. You take a cup of water. Bah, c'est cool. Get rid of the water. You pour the water on the ground next to the water. Ça sert à quoi? Small puddle forming. D'accord. The water evaporates from the height. The cup evaporates. Ah, ça, c'est très drôle. C'est de l'humour. Bref. Ah oui, 49. Au début, je crois que c'était le nombre de sauvegardes qui était restant. Mais non, ça veut dire. Oui, c'est Outland, voilà. C'est-à-dire que là, il me reste 40 ennemis à tuer. Donc, par contre, le fait de tuer des ennemis en boucle, c'est pas très intéressant à regarder pour le coup. Donc, je sais pas en fait ce que je vais faire. Bah, on va aller au lab d'ailleurs. Hein. Parce que je sais pas ce qui va se passer là pour le coup, donc ça sera totale découverte. Totale découverte sur la chaîne Tiflorg. C'était pas censé être éteint normalement quand j'arrivais là? Je sais plus, il me semble. Mais il est déjà là lui. Ah putain, attendez, parce que. Attendez, s'il y a un boss deux fois de suite là, je vais mourir. Hein. Oh, there you are. You ugly little creature, you've made quite a name for yourself. Such infamy. I'm impressed. Oh yes, if you're looking for this, she's not here. While we were busy doing your thing, she was running around evacuating people to safety. Ça c'est pas bon signe. Hein. No, they're in a place where you'll never get to them. Deciding not to fight you, my. Admettons, ça doit être une formule de politesse. She really is the only smart one, isn't she? Oh, no, c'est ici. Oh, c'est ici. Attends, c'est ici, ça veut dire quoi? Je vais prendre un petit word référence parce que bon, voilà, j'ai pas un vocabulaire qui est très... Donc, je voulais faire croire que j'étais. Non, mais c'est ici, je l'ai déjà entendu quelque part. Vif fougueux. Ah, d'accord. Oh, tu es fougueux. Quelle fougue! Non, quelle fougue, non, c'est pas ça en plus. Oh, on s'en branle. You're just itching to get your hands on me, aren't you? Well, too bad. This world needs stars more than it needs corpses. Toodles!
Pierre quoi, Toodles? Je t'ai déjà vu ce mot 45 fois. Mais en plus, ah non, mais Toodles, oui, je me disais. Ça... Ah oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire à tout à l'heure, je crois, un truc comme ça, non? Oui, c'est ça en plus. Oui. A shortened Anglicized version of the French phrase à tout à l'heure. Lol. C'est pour ça que je me disais Toodles. Ça me disait quelque chose, mais ça ne voulait rien dire, effectivement. Bah là, c'est pas très amusant, hein. Il se passe pas grand chose. En plus, là, normalement, c'était un des moments les plus amusants du jeu. Putain, mais il y a tellement rien. C'est très étrange. Ah ben je suis con, je me dis mais j'ai plus de vie. Ah ben non, mais je l'ai repris. Waouh. Oh putain, même la musique de Outland a changé. Putain, en plus elle était très belle, hein. Là elle est un peu plus lente et dépressive, j'ai l'impression. Ah, elle est spéciale, hein. Mais certainement pas mauvaise, hein. De toute façon les OST du jeu, hein, si je ne vous l'ai pas déjà dit, sont tout simplement incroyablement géniales. Et relèvent du génie, justement. Ah oui, puis vous justement, bah, il faut que je... Bah oui, parce que là, en fait, ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est de tuer tous les trois connards. Mais bon, là, je pense que j'ai tout mon temps pour le faire. Oh, non, mais c'est dingue. Non, mais là, on va voir ma skill de merde, maintenant. Je suis pas habitué, hein. Ah non, c'est simple, en fait. Je crois que j'avais jamais vu ça. Mais non, mais j'avais en plus, non mais hey, ce cara design quoi, non mais complètement génial. Ce bestiaire, un avion quoi, je trouve ça complètement débile, hein. Mais c'est ça qui est génial. Pourquoi il y a une poêle là déjà? Ah, je sais plus. C'est quoi ça? There's a fry pan lying on the ground. Will you take it? C'est quoi? You got the burned pan. Burned pan, weapon at 10. Damage is rather consistent. Consumable item, heal for more HP. Oh, c'est génial. Attendez, mais j'ai combien de... Ah oui, mais moi j'ai un... Non, mais c'est bon, plus j'ai une attaque de 7, moi. Ah bah je le prends directement. Le kibé the burn plan. Et donc là, maintenant, ça va être mieux. Bah oui, c'est déjà mieux. En plus, attends, ça me donne 4 HP de plus, mais c'est complètement génial. Putain, j'ai bien fait de venir ici, hein. Eh non, mais ça valait le coup, les mecs, hein. Non, en plus, ça servait à rien d'aller ici. Mais non, mais ça servait à rien aussi d'aller ici, espèce de con. Non mais là c'est pas intéressant à regarder en plus. Donc là maintenant ce qu'on va faire c'est se dépêcher. Mais vu que maintenant faut que je tue tout le monde, donc ça va être très chiant à regarder. Mais attends, mais ça sert à quoi ça? C'est très étrange, hein, ce qui se passe, hein. En plus il y a une énigme que j'aime pas du tout ici. Attends, on va voir ce qu'il y a par là. Je sais plus ce qu'il y a par là. Mais oui, il y avait plein de trucs ici, je me rappelle. Et on peut plus rien faire. C'est très très étrange ce qui se passe, hein. Oui, oui, je me rappelle, il y avait même des... Bon, bah, je pense que le but, c'est d'y aller, de foncer, quoi. Il n'y a pas d'ennemis, hein, je me promène, il n'y a rien. Pourtant, il m'en reste 38 à tuer. T'as 38, c'est encore plus qu'avant. Ah! Your heir, so that's mean and die, she's like... Undyne? You will avenge you. C'est-à-dire quoi, avenge? Non, mais je suis désolé d'être aussi une grosse merde, mais... C'est bon, hein, avenge. Je suis bizarre, j'ai jamais entendu ce mot par contre. On dirait une revenge, mais pas vraiment. Ah oui, on dirait revenge parce que ça veut dire se venger. C'est bizarre que j'avais pas entendu ce mot. Avenge, pourquoi venge? Avenge. Take revenge. Ouais, bref. Bah pourquoi pas, hein. Quoi? Alors c'est totalement inattendu là. C'est totalement. En plus, j'ai plus de. Mais j'ai plus d'items, j'aurais dû faire demi-tour, hein. Mais oui. Clairement. Bah je sais pas, ça se trouve c'est super simple à taper. Ah ouais d'accord. C'était difficile. One, you. Alors là c'était difficile. En plus mais il m'enlève rien lui en plus. Bah donc. 220 XP plus 120 gold. Incroyable. Je pensais justement que ça allait être un... Oh putain, c'est ce truc là. Mais j'ai pas de vie! J'ai. Mais non, mais je suis con parce qu'il n'y a plus rien! Attendez. It's a glue to the table. Lol. 36 left. Ah, 36 left? Ah bah oui, parce que je viens de tuer les deux connards. Il n'y a pas d'ennemis ici ou quoi? C'est très étrange. De toute façon, on fera demi-tour, hein, si. Je crois que j'ai fait une connerie là. Mais attendez, mais je pouvais accéder à tous les étages? Attendez. What? Étrange.
Lol. Et pourquoi c'est bloqué d'ailleurs? Rail floor 1, c'est là où je viens. Donc laisse floor 2. Attendez, je sais pas en fait. Je sais pas où je vais. À l'aide! Au secours! Lol. Donc le floor 2 marche pas, donc on va essayer rail floor 2. Ça marche pas. On va essayer le 3 alors. C'est le dernier, donc si ça marche pas, je peux aller me faire enculer. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça on a... Ah là, c'est bon, il n'y a plus besoin de... Ah, c'est Spidey. Et Spidey, on l'attaque pas, donc. Oh, le con. Ah, je sais même plus ce qu'il faut faire. Mais non, mais en plus, oui, c'est ce truc-là, mais ce truc-là, il sert plus à rien. Donc je suis juste débile. Bravo, Tiflorg. Je sais même plus de quoi ça sert. You stop to smash the floor. Je trouve cette, ce passage drôle, donc je vais le vous remontrer. De toute façon, je vois pas l'intérêt que vous regardez ça si vous n'avez pas joué à Undertale. Hein. Ça, je répète d'ailleurs. Parce que là, je crois qu'on justement on a loupé l'énigme que je détestais. Il y avait une énigme justement avec ce genre de truc qui tournait. Et je la détestais. Je ne savais jamais comment la prendre. 36 left. Spidey en trace. Ah bah voilà! Est-ce qu'il y aura une Spidey 2.0? Did you hear what she said? They said you mind wearing a strip shirt will come through. I heard that they hate spiders. I heard that they love to stomp on them. Là par contre j'ai peur parce que... I heard that they like to tear their legs off. What? Là j'ai peur parce que... Pourquoi j'ai peur? Parce que j'ai peur qu'il y ait une Spidey 2.0. Je m'attendais pas. Ça disait off some awful taste. De toute façon voilà, hein, je peux faire demi-tour même si ça va être chiant. À regarder, a priori. On va. Par contre j'attends. Mais non mais c'est bizarre parce que c'est exactement la même musique. Donc c'est pas indifférente. Par contre j'aime pas quand ça vient. Putain mais je m'en doutais en plus. Attendez quoi? C'est quoi le petit araignée? Et elle repart. Et là l'écran va s'estomper. Ah non? Elle revient avec une petite fleur comme c'est mignon. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Alors encore, elle revient poser une fleur sur sa défunte mère. C'est spécial, c'est une espèce de reward genre oh là là, you earn 300 XP, c'est génial. Alors que là t'as une pauvre petite araignée qui pose sa fleur, c'est très triste. Lol, je m'attendais encore une fois pas, le coup du... Mais en plus c'était évident parce que c'était exactement... Attends, on va revoir le métaton performance. Attends, c'était à ce moment là, je ne sais plus. Oh putain, j'ai oublié que c'était super long ça. Parce que... Non, je pense pas. De toute façon, je me rappelle, avant, on pouvait le passer, je crois. Je ne sais plus. Et là c'est... Quoi? Attendez, je comprends pas. Mais c'était... Oui, on était censé le passer, ça. Mais ça va où, ça? Bah, nulle part, en fait. Lol. C'est étrange. Non, justement, c'était le métaton qui te revenait ici. Et justement, tu y allais par là. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Parce que c'est très étonnant. En plus, normalement, t'es censé tuer des ennemis. Il me reste je ne sais combien d'ennemis à tuer. Pas un chat. Alors, est-ce qu'il y a encore des creepy... Attendez, ça, c'est une bonne question. Je m'en doutais. Junk food 17. Mais oui, en plus, on peut tout prendre, en plus. Je crois que ça sert à rien de tout prendre, mais... And she taking us. D'accord, donc apparemment Alphys les a prises. Up the gen pens, she loves it, we don't wanna waste pens. And don't even think about stealing our stuff. Yeah, I agree, leave our junk alone. Cathy, it's not junk, it's really valuable. Our garbage is very... Because you're a total loser. Yeah, loser, yeah. Signe, Brady, c'est mignon. Attends, parce que vu que j'ai acheté tout, je vois pas. Bah, si, normalement, ça devrait être intéressant.
Mais non, parce que maintenant tout ce qu'il y a là. Ah non, je peux le dropper, ça va. Donc si vraiment c'est des items inutiles, bah, je les enlève quoi, il me sert pas à rien. Bah, parce qu'on me bat les shoes. Il me sert à quoi bah, les shoes? Bah, les shoes, weapon, they use shoes make you feel incredibly dangerous. Donc bah, les shoes, pour moi ça ne sert plus à rien. Donc je drop. The bad shoes was. Oui, parce qu'avant on avait des coffres et tout, mais j'ai l'impression qu'on en a plus là. Parce qu'avant on pouvait aller dans. On avait deux coffres dans notre téléphone. Ce qui n'avait aucun sens, mais c'est pas grave. Mystery key. Mystery key, unique. It is too bent to fit on your key chain. Bent? En fait, je crois que j'ai fait une connerie, j'aurais pas dû le prendre. Mais après, je sais pas, ça, parce que le truc, c'est maintenant que mon inventaire est beaucoup plus petit. Elle est con. Ah d'accord, il est trop tordu. Cowboy hat. Dev 12. This battle worn and make you want to grow a beard. Alors, il y a une meilleure... Ah non, c'est une défense. Ah, c'est une armure, d'accord. Une défense de 12. It also raise attack by 5. Bah, c'est cool. Bah là, je la prends, en fait. Il n'y a aucune raison que je la prenne pas. Empty gun. Weapon at 12. An antique revolver. It has no ammo. Parce que j'ai quoi, moi, pour l'instant? J'ai un... Ouais, j'ai une attaque de 10, parce que j'ai un truc de 5. Mais mon attaque de 5, il avait un truc spécifique. Je sais plus ce que c'est, en fait, ce que j'ai sur moi. Mais je sais qu'il a un truc spécifique, c'était... Oui, il me donnait 4 PV de plus. Donc je le garde. Mais d'un côté, j'ai pas envie de jeter ça. Donc on va le laisser. Donc 3 objets qui ne servent à rien dans mon inventaire, que je n'ai pas envie d'utiliser. Ah, attendez, mais... Ah bah si, mais en fait, j'ai des trucs dedans, j'avais même pas vu. Bah, ça, je vais pouvoir le mettre. Même la Mystery Key, mais la Mystery Key, je sais pas à quoi elle pourrait me servir. J'ai pas encore envie de l'acheter en fait. Parce qu'au pire des cas, si vraiment j'ai besoin d'avoir une box, bah je reviendrai ici. Mais c'est dingue parce que je savais même pas que j'avais une box, donc j'aurais pu mettre des trucs dedans. Même si bon, ça sert à rien de la remplir à donf la box. En fait, moi j'essaye de visiter, mais là y'a rien à visiter donc. Y'a rien à visiter. Bah attends, mais je vais pouvoir aller au burger. Quoi? Mais il est là lui. Quel fils de pute! Il 14, 27. En plus, j'ai assez d'argent pour en acheter hein. Il 40 HP. Pas mal ça. 60 HP don't ask please. Pourquoi? Bah ça coûte 500. Bah je pourrais m'en acheter 3 en fait. C'est ça qui est drôle. J'ai pas envie de le... Bah tiens. Ha! Yes! I really want to buy your weird dusty artifact. Not! Connard! Evacuation! Evacuation! You're yanking my chain, little weirdo. So what if everyone else left work? So what if nobody buying anything? Par force course, little weirdo. Par force course. Par. Attends, c'est dire quoi par? Je comprends pas le par là. Il veut dire quoi? Putain, mais je suis tellement. Par. Par. Au golf, c'est dire par. D'accord. Normal moyen. Normal force course. Je comprends même pas la phrase, c'est incroyable. Hein. Bon, on s'en fout, on fait comme si on avait compris ce qu'il avait dit. Metaton. Well, Metaton didn't tell me I had to work, I guess. But that's the thing! Something he doesn't even call me into work until halfway into my shift. If I don't play, it's safe. Si je ne joue pas à sécurité, he's going to yell at me. Ok, maybe yell is the wrong term. It's more like he has this, c'est l'album he plays. That's entirely full of song about how bad I am at my job. Alone. Everyone else is dead? Does that mean I don't have to work today? God. Is that it were true, little weirdo? That it were true? Si c'était vrai. C'est ça qu'il disait. Si c'était vrai. Bah c'est vrai, non? Threaten. Threaten, c'est-à-dire je le menace. Sorry, little weirdo. Les menaces ne marchent pas sur moi. Je ne peux pas aller en enfer. I'm all out of vacation days. Bon, bah au moins là, on sait qu'il y a de, la... Il y a de l'intéressante chose ici. Tiens, est-ce qu'on peut aller dans les baraques? Et si je prends l'item, la clé? You use the mastery key, but nothing happened. Bah ça, mais si je fais celui-là qui est... Bon, voilà, on sait rien. J'ai même pas envie de tester les autres pop, j'en ai rien à foutre. Ah, c'est bizarre, c'est exactement la même musique que dans les premiers runs. Alors, ce qui est pas logique, puisque c'est pas la même musique qui était là tout à l'heure. Enfin, je pense pas. Je pense pas que ce soit logique en fait. Est-ce qu'on est censé le prendre ça? C'est étrange, c'est quoi ça? Si, il y a un truc à la bouche, je crois. Hein. Je sais plus. Mais en fait, ça sert à rien que je vienne là.
Parce qu'il faut que je tue tout le monde, moi, avant. 35 left. Mais non, on est toujours à Outland, attends. Outland. Donc c'est pas... J'ai pas quitté encore. Mais il y a pas d'ennemis. Je ne comprends pas. Il y a pas un chat. En fait, c'est pas intéressant à regarder. Je pense que je vais quitter la vidéo, puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Non. Parce que là, il y a rien. Là, en fait, je joue à Undertale, il y a rien. Putain, j'ai parlé en même temps que le mec, j'ai eu peur à moi-même. Je sais qu'est-ce que c'est que ce truc. Et il y a une voix qui sort de mon... Putain, en plus, ils m'y viennent de nulle part. Hein. Non, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est avec les burgers du mec, là, on peut se faire un bon petit plat. Putain, je pensais l'avoir du premier coup. Mais ouais, en tout cas, avec ouais, les burgers, parce que là, vu que j'ai beaucoup d'argent, on peut se faire un bon truc. Par contre, faut éviter de mourir, là, en fait, Tiflore, parce que c'est justement en faisant pas attention qu'on meurt comme une merde, hein. D'ailleurs, j'aurais mieux fait de tuer l'autre connard qui est à droite là. Je sais pas comment j'ai fait. Mais j'ai dit, il vaut mieux que je tue l'autre connard qui est à droite et en plus je fais de la merde. Non, ça pourrait pas marcher deux fois de suite. Voilà, le truc qu'il faut surtout pas faire par exemple, c'est d'en faire. De les tuer enfin voilà, de. Adieu. Oh, il parle français, c'est incroyable. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a quoi dans l'ascenseur, je sais pas. Je pense que ça me reviendrait. Enfin, je sais pas. J'aurais mieux fait d'aller vérifier. On verra ça en off. Hein. Non, là, j'ai fait un demi-tour et je vais aller chercher. Mais en plus, je suis con parce que j'aurais pu me ressourcer à l'infini des trucs. Donc, on va se ressourcer à l'infini. Là, en plus, là, je suis vraiment chaud à finir le jeu, finalement. Puisque là, j'ai fait Undyne, bon, bah voilà. Et apparemment, il n'y a rien d'autre. Donc, voilà, le Spidey, il n'existe même pas. Les deux gardes, là, pff, ils n'existent pas non plus. Puisqu'ils sont morts directement. Alphys, je pense que ça peut-être nous chier dessus. Mais je pense que je sous-estime peut-être un peu trop le jeu. Non, mais je suis passé où? Ah, d'accord, là, c'est. Oui, c'est là, par là qu'il faut que j'aille en fait. Mais c'est bizarre parce que. Mais non, mais en fait, là, ce qui se passe, c'est que l'ascenseur, ça me permet de prendre un raccourci. Mais j'ai pas envie de prendre le raccourci, moi. Donc, ce que. Oui, c'était aller prendre les trucs dehors. Voilà, ça me fera une petite potion au cas où, on va dire. Même si ça sert pas à grand chose, a priori. Tiens, maintenant, je sais ce qu'on va faire. On va aller jusqu'au boss final. Et une fois là, on pourra pourquoi pas arrêter. Mais je vais jusqu'à lui. Aujourd'hui, là. Là, il est 23h38, je vais jusqu'à lui, je m'en fous. Je couperai au montage, parce que là, il y a beaucoup de trucs chiants, mais on s'en fout. Bon, apparemment, ça a juste réactivé un bouton. Je sais même pas à quoi il sert ce bouton. Après, ça doit ouvrir une porte. Ça doit ouvrir une porte. Ça doit ouvrir. Et ça, c'est quoi? There is a Glumber in the. Ah putain, c'est génial! You got the Glumber. Will not relax and have a nice snack. Attends, c'est vrai que je lis jamais les panneaux parce que je me dis je les ai déjà lus, mais peut-être pas en fait. Traverse the Northern Room and the end will open. Si tu le dis. There is 100G. Ah bah c'est parfait. Mais c'est vrai que là, apparemment, les ennemis sont très peu là en fait. J'ai l'impression qu'ils sont ponctuels. Contrairement à avant. C'est vrai que j'ai même pas les dialogues. Mais... Bon là, je suis de la merde. Hein, mais... C'est vrai que j'en gagne beaucoup des gold à chaque fois que j'en tue. Bah ouais, en fait, je reviens là. Mais il en reste 27 donc il y a un problème là. Attends, si je m'amuse sur le pont là. Ouais, en fait, faut que je m'amuse sur le pont. On va se promener sur le pont jusqu'à Jésus tous. Hein. Le pire, c'est que je vais réussir à perdre en fait. Et bon, si je sauvegarde régulièrement, ça va pas être trop grave hein, si je perds comme une merde. 25 left. Oui, là, c'est la partie chiante hein, parce que c'est la partie bourrinage, la partie Pokémon, on va dire. La partie JRPG de merde. Où faut farmer. Voilà les trucs que je déteste. Mais bon, ça va, apparemment il y a que 3 zones dans le jeu, hein. La première zone, là il y avait Waterfall, mais après voilà. C'est pas si dur que ça en fait. Incroyable, pas perdu une seule vie. Et apparemment j'ai gagné un niveau. Et apparemment ils sont que sur ce pont, c'est ça non? Ou alors je les ai tous tués. Non, non, apparemment ils sont tous là. Hein. C'est très étrange. Hein. Je sais pas ce qu'il foutrait là. Putain, mais lui il meurt jamais, hein. Il meurt juste à 2 poils de cul près. Putain, mais il a redescendu l'enfoiré. T'as vu, il y en a un qui a disparu, je ne comprends pas. C'est bizarre parce qu'il rit quand il meurt. C'est très étrange. 21.
Il en reste 21. Ça fait beaucoup, hein. Mais il y en avait 40 au début, donc ça fait la moitié. Hein. Mais ce qui est étrange d'ailleurs, voilà, c'est... En fait, à partir d'Unbind, justement, à partir du boss que je vous ai montré, c'était c'est là que ça a changé un petit peu, justement. On tue le gros en premier ou pas? Bon, bah, on tue le gros, hein, c'est bon. Non, finalement, on va tuer lui, il est plus simple. J'ai chié complètement. Il est pas du tout plus simple, en plus. Bien, je me souviens pas du tout de cette pattern. Mais t'as vu, c'est bizarre, des fois, il y a des trucs qui s'enlèvent. Je ne comprends pas. Ah! Pas mal ça, tiens, le coup du poil de bit qui reste. Oh putain, il y en avait qui était en train d'encercler là. C'est, oui, c'est ce que je trouve étrange, qu'est-ce qu'ils foutent tous sur le pont là. C'est-à-dire parce que j'en ai pas vu autre part, sauf aux endroits où justement il y a des trucs qui se levaient. Et tout à l'heure, parce que je sais plus pourquoi d'ailleurs, bah c'était les deux connards de garde. Et les deux autres, je les avais trouvés, ouais, quand on était à côté de la lave là. Mais à part ça. Et encore voilà, je les avais trouvés, et puis quand je me continuais à promener, il n'y avait plus rien. Étrange. Donc oui, ce qui est... voilà, c'est ça que je disais. Oh, pas mal. Pas mal ce que j'ai fait. Ce que je disais, voilà, c'est qu'à partir d'Undyne, justement, le jeu changeait beaucoup. Mais apparemment, ouais, la run génocide, là, pour l'instant, mais en fait, elle supprime tout ce qu'il y avait avant. C'est ça qui était très étrange, parce que justement, Undyne, c'était peut-être l'un des premiers trucs qu'on voyait. Putain, mais j'ai l'impression d'être invincible. Hein. Oh la vache, vous avez vu ce que j'ai fait, là? Eh, mais là, je m'impressionne à moi-même. Hein. Bon, là, j'ai pas perdu de vie, donc ça sert à rien d'aller en chercher. Et donc là, voilà... Je pense que voilà, vous allez voir toute la run génocide. Mais en fait, je sais pas, parce que voilà, c'est comme la run pacifique, il y a tout un endroit voilà qui change, qui est assez long en plus. Alors, vu que j'ai la flemme d'aller trop loin, je sais ce qu'on va faire. Ouais. Alors, junk food, ça donne heal 17. Je sais pas si c'est bon de prendre le junk food, parce que voilà, quoi. Ça fait de la merde. Donc ouais, je sais pas s'il y a un truc après génocide ou s'il y a juste le boss final. On verra bien. Mais j'ai peur. J'ai peur que ce soit plus long que ce que je pense. A priori, c'est ce que ça va être le cas. Hein. Parce que si là tout est. S'il n'y a rien du tout, il est fortement probable qu'il y ait beaucoup plus après. Et donc, ça va être peut-être un peu plus dur d'arriver à la fin. Mais on va essayer. Hein. Moi, j'essaierai. Là, j'ai envie de passer toute ma journée sur Undertale maintenant. Oh, pas mal! Un 4 perfect. Ouais, c'est jamais vu ça. Non mais ça s'appelle la skill, je sais pas si vous connaissez. Bon, je suis peut-être l'un des seuls à l'avoir, mais bon voilà. Orage de mon skillage. Il va plus en rester beaucoup là. On était à 19 il y a pas si longtemps, là j'en étais 3, 2, 1, 0, la tête à Toto. Ta gueule. Il y a plus rien là, ils sont tous morts. Bon ça va, ils mettent pas trop de temps à apparaître. C'était un peu plus pire que ça je crois, Waterfall, ils mettaient 3 ans à apparaître. Bon, en plus voilà les attaques. Bon en fait les attaques j'en ai rien à foutre, je me fais tuer, bon au pire je vais me soigner. Hop voilà. Et je gagne. Your love is Christ. On va vérifier comment il en reste. C'est un prétexte pour me soigner. 8 left. Y'a plus rien là. Y'a plus rien du tout. Ah si. Ce remix est pas mal quand même. Le petit. Donc il me restait 8, donc là il me reste 6. Pom pom pa pom pa to lo pa da. Ta 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 la pa ta pom pa pom pam piring kiring. Putain, c'est vrai, là je suis en train de me promener, je suis en train d'aller au boss final ou je ne sais où en tout cas. Parce que là, a priori, vu qu'il n'y a plus rien du tout, je suis en train d'aller vers la fin. En plus, non, je pense qu'il y aura Alphys et Métaton qui vont arriver, je pense. Hein, avant Undyne. Enfin, avant, je suis con. Parce qu'il y a Undyne, et puis même, je sais pas, il y a peut-être les autres connards, genre Papyrus. Non, Papyrus, j'ai déjà tué, je suis con. Parce qu'à l'époque, justement, on devait se rencontrer pour qu'on soit devenu amis, mais je l'avais tué à ce moment-là. Justement, Papyrus, je l'ai tué depuis longtemps. Hein. Attends, je dis ça, mais je sais plus. Mais si, je crois. Hein. Parce que justement, à l'époque, ça avait pas changé, puisque c'était le même combat qu'on avait déjà eu tout le temps, mais je l'avais jamais tué à l'époque. Mais je crois qu'il est mort, Papyrus. Je suis même pratiquement sûr. Donc là, il y en avait deux, donc maintenant on est à 4. On a 4. J'ai l'impression que c'est plus rare, là, les apparitions. Hein. Ou alors il y en a plus, ils sont cachés autre part. Ça c'est tout à fait possible. Hein. Ça m'étonnerait tellement pas en plus. Allez, je refais un tour et s'il y a rien, je me casse. Ah, je sais pas. C'est étrange.
Non, c'est vraiment très étrange, là, il y a un problème. Ou alors ils sont pas là. 4 left. C'est très étrange. Bah, je pense. Alors, soit il faut que je continue justement par la porte là. Où on est censé voir le métaton qui danse. Mais je suis pas sûr. Peut-être que j'ai oublié un truc. Non, non, j'ai tout vu. Hein. J'en suis persuadé. Hein. Là, c'est quoi le truc qui. Par là, il y a quoi? Bah, ça doit être un. Ouais, c'est ça. Bah, je sais pas. Bah, on se casse. Parce que j'ai tout vu. Hein. Peut-être justement dans le désert. Non, 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 dans le. Justement dans la partie lave, j'ai tout vu. Hein. J'en suis persuadé. Peut-être qu'il fallait que je nage plus, mais. Je sais pas, c'est très étrange. Peut-être, voilà, les 4 qui restent, ce sont, ceux qui sont là-bas. Hein. On est encore Outland ici. Hein. Ou peut-être qu'il va me dire que là, il manque des trucs. So you finally arrived. After our first meeting, I realized something ghastly. Ça veut dire quoi, ghastly? Parce que moi, à part Pierre Gasly, je ne sais pas vraiment qu'est-ce que ça peut signifier. Épouvantable, horrible, effrayant. Something épouvantable. You're not just Attends, je vais traduire, tiens, maintenant, parce que j'en ai marre. Vous n'êtes pas juste une menace pour les monstres, mais pour l'humanité aussi. Oh my. Oh my, comment pourrait le traduire, ça? Oh mon cher. Je sais pas. C'est un problème. Tu vois, je ne vois pas. I can't be. Non, I can't. Oh là là. Je ne vois pas pourquoi j'ai mis. Non, mais attends, j'essaye de. Mais c'est pas du tout fluide, moi. Je ne sais pas traduire, en fait. Je ne peux pas être une star sans mon audience. Sans une audience. Et au-delà de ça, il y a quelques gens que j'ai envie de protéger. Bah oui, c'est vrai, il n'y a plus d'audience, puisqu'il a jarté tout le monde. Eager as well. Attends, Eager. Non mais désolé, hein, moi je Eager, ça me dit quelque chose. Fervent, ardent, passionné, avide. Enthousiaste, avoir hâte de. But don't touch that dial. Ne touche pas ce. Ah, le dial, c'est le. C'est un bouton, non, enfin, je me comprends. There's something you haven't accounted for. As any true fan would know, I was first. Oui, je ne traduis plus, parce que j'en ai marre. As was first created as a human eradication robot. Donc il a été créé en tant qu'éradicateur de humains. It was only a fur becoming a star that I was given a more photogenic body. A corps photogénique. Bon, j'ai même plus envie de lire, en fait. Come any closer and we'll be forced to show you my true form. Oh, attends, est-ce que t'as une true form? Attends, est-ce qu'on a déjà vu sa true form? Est-ce que c'est là où il danse ou pas? Fine then. Ready, it's showtime. Est-ce que c'est le showtime? Attends, est-ce que c'est le même showtime de l'autre fois et qu'on peut le nick? What the fuck? Allez, au secours! Qu'est-ce que c'est que ça? Je pensais que ça avait été la même forme que tout à l'heure. Attends, check, on va check. Métaton Néo, 90 d'attaque, 9 de défense, Dr. Alphys, Great Excellent. Alors le Métaton Néo, je crois qu'on l'a jamais eu. Hein. C'était quoi le truc d'avant qu'on avait eu? Ah, je sais pas. Hein. Stage Light, ah, oh, Bling! Ah bah d'accord, c'est, il nous attaque même pas, d'accord. Bravo. En plus, je fais un acte, il me touche même pas, donc ce qui est complètement absurde. Et là, guess she should have worked more on the defense. Bon, bah apparemment, c'est une merde. You may have defeated me, but I know I can tell from that strike, darling. You were holding back. Yes, Asgore will fall easily to you. But you won't harm humanity, will you? You weren't absolutely at all. If you were trying to be, then you messed up. And so late into the show too. At least now I can rest easy. Knowing Alphys and the human will live on. Mais Alphys, on l'a toujours pas vu d'ailleurs. Je voudrais bien voir parce qu'on s'est jamais battu contre Alphys d'ailleurs. Je crois que c'est l'un des seuls personnages du jeu avec lequel on s'est jamais battu. Oh mon dieu, ça a explosé. Bah putain, attends, mais j'aime bien parce que là ça fait 3 fois de suite quand même qu'il me surprend le truc. Encore un truc qu'on n'a pas tué. Enfin qu'on a, voilà, il n'y a pas eu de combat. C'est très étrange. Je trouve ça très étrange. Donc là, c'était le quatrième. Enfin, donc s'il me rend, c'est 3. C'est ça, hein. Donc il y aura Alphys que faudrait que je tue. Bah peut-être, voilà. En fait, les sous-restants, c'est le boss final, Alphys,
Et puis pourquoi pas Asgore peut-être? Je pense, hein. C'est peut-être ça en fait, ce qui va se passer. Enfin, j'en sais rien, mais. Moi j'hypothétise des trucs. Ah oui, c'est le fameux ascenseur super long. Attends, mais on est déjà là? Mais attends, mais ça c'est. On arrive chez le. Mais oui, on arrive à la fin là, on est dans la zone finale. Dans la zone, je sais même plus comment il s'appelle, là, le temple ou je. Chez Asgore. Ah oui, c'est ça. Alors est-ce qu'on aura encore la vieille histoire de merde super triste? Non, je rigole, pas une histoire de merde, mais là je sais pas ce qui va se passer parce que si on. On va bien voir. Ah, il y a déjà l'ascenseur. Attends, est-ce qu'on peut le prendre? Ah non. Non, là encore il y a rien, je crois. Là on voit juste des paysages effilés. D'ailleurs, qui sont très étranges. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ces paysages? Soit dans un style assez oriental. Enfin, voilà, en plus, regardez les bâtiments ici. J'ai toujours été étonné là quand on va ici. Des bâtiments juxtaposés avec, sur un fond noir dégueulasse. Tu te dis, mais ça représente quoi? C'est dégueulasse. Mais d'un côté, voilà, c'est bon, c'est pourquoi pas. Mais c'est dégueulasse. Attends, on est déjà là? Ah oui, non, mais c'est logique. Ah là, j'ai toujours envie de chialer quand j'entends cette musique. New Home. Attends, ça s'appelait comme ça avant? Je ne sais pas. Na, 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 na. It's a golden flower. Oui, normalement, il y a des messieurs qui. Ouais, c'est ça. A long time ago, a human fell into the ruins. Injured by its fall, the human called out for help. Et donc, ça fera la troisième fois qu'on écoute cette merde. Ah, mais pourquoi? Eh ben, c'est dingue! Il faut toujours que j'utilise des mots qui sont violents, alors que là, c'est censé être un moment voilà, très triste, très, très poignant. Tu sais, là, je suis censé pleurer et tout. Et je utilise des mots complètement injurieux. Limite, faudrait que je ferme ma gueule pendant ce. Faudrait que je ferme ma gueule pendant ce passage. D'ailleurs, je vais le faire, je vais fermer ma gueule. Oh, une clé, pardon, excuse-moi. Non, je vais peut-être lire parce que sinon c'est un peu chiant. Putain, il y a des cadeaux. There is a hatchet locket in the outside box. Will you take it? Take it. You got the hatchet locket. Lol. Attends, mais j'ai plus de place en plus. Attends, on va virer des trucs. Attends, c'est quoi le truc que j'ai eu en fait? Earth locket. Armor def 15. It's a best friend forever. Oui, mais ça lui donne pas 15 de plus. Excusez-moi. Bah bref, on pourra essayer de là. On le garde de côté. A worn dagger inside the box. Will you take it? Take it. You got the worn dagger. C'est quoi? Weapon at 5, 15. Perfect for cutting plants and vines. LOL, ça ne sert à rien donc. Encore une clé? Over time, Azrael and the human became like siblings. The king and queen treated the human child as their own. The underground was full of hope. Encore une clé? Et je la mets sur ma chaîne. It's nice today. It's a nice day today. The ink is still almost wet. Donc ça voudrait dire qu'il l'a fait là pas longtemps. Ce qui est très étrange. It's a bureau. Attends, it's a bureau. Ça c'est un bureau. Alors je ne sais pas qu'est-ce que, qui c'est qui a inventé ce terme en anglais, mais c'est complètement débile d'appeler ça un bureau. Excusez-moi. C'est censé être un. Ah bah tiens, la musique est finie. Hop, on la recommence. Parce que d'ailleurs, ça c'est une de mes musiques préférées du jeu, si ce n'est ma musique préférée du jeu. Donc, mais j'évite de l'écouter parce qu'elle me rend trop triste en fait. Enfin, mais c'est très. Enfin, je dirais que c'est un peu mélancolique, on va dire. Ah bah oui, je suis con en fait, les. Ça va me servir les cassettes chaînes. Ah, c'est très mélancolique comme musique. Ah bah oui, mais non, je peux pas là. Ouais, mais c'est pas. Non. Then, one day, the human became very ill. Il était très malade. Le pauvre petit chou. The sick human had really... Had... Oh, putain, mais je sais même plus lire. The sick human had only one request. To see the flower from their village. But there was nothing we can do. We could do. Attends, d'ailleurs, j'ai oublié de faire un calibrage, une synchronisation de mon Audacity avec mon OBS. Donc, on va le faire tout de suite. Item, stat, C, S, I, S, C, S, I, I, S, attends,
S-I-S-C-S-I-S-C-S-I-S-C-S-I-S-C-S-I-S-C. Bref, très bien. The next day, 30 points. The human died. L'humain est mort. Triste. Putain, pourquoi je prends ça à la rigolade? Je sais pas ce qui m'arrive. Moi, je suis complètement... Mais non, mais c'est dingue, parce qu'on a déjà tué Undyne. Je suis complètement époustouflé. Azrael worked with grief. Absorbed the human soul. He transformed into a being with incredible power. Et le truc, il est complètement derrière mon truc, c'est pas grave. With the human soul, Azrael crossed through the barrier. He carried the human body into the sunset. Back to the village of the human. The humans. Azrael reached the center of the village. There, he found a bed of golden flowers. He carried the humans onto it. Suddenly, screams rang out. The villagers saw Azrael holding the human's body. They thought that he had killed the child. The humans attacked him with everything they had. He has struck with blow after blow. Azrael had the power to destroy them all. But Azrael did not fight back. Clutching the human, Azrael smiled and walked away. Wounded, Azrael stumbled home. He entered the castle and collapsed. His dust spread across the garden. The kingdom fell into despair. The king and queen had lost 2 children in 1 night. The humans had once again taken everything from us. The king decided it was time to end our suffering. Every human who falls down here must die. With enough souls, we can shatter the barrier forever. It's not long now. King Asgore will give us hope. With let us go, will save us all. You should be smiling, too. Aren't you excited? Aren't you happy? You're going to be free. Lol. Last Corridor. Il est 1h58 du Da City. Même si bon là pour le coup le montage va supprimer une bonne partie je pense de ce qui vient de se passer. Donc là voilà, moment très triste, moment très poignant. J'en ai les larmes à l'œil. True story. True story, je sais pas pourquoi je dis ça, j'ai jamais ça, mais c'est pas grave. Et là nous allons rencontrer ce bon vieux Sense. Et là qu'est-ce qui va-t-il se passer, je ne sais pas. Et là j'ai très peur. Non mais là c'est dingue parce que, attends, ça fait une heure que j'ai battu Undyne quand même. Je suis toujours carrément étonné. Et j'avançais finalement, même si j'avais pas du tout prévu de le faire. Maintenant là, franchement finir le jeu pour moi c'est un objectif. Hein, c'est-à-dire, je vais pas juste faire une vidéo sur YouTube, tiens regardez. Non, on finit le boss final. Je vais jamais y arriver. À l'aide, au secours, aidez-moi. Je sais très bien que je vais jamais y arriver. Ah mais arrête d'être aussi défaitiste, ça se trouve c'est pas si difficile que ça. C'est comme le boss final, moi je trouve d'ailleurs le boss final des autres runs, bah surtout par exemple Asgore, c'était pas le plus dur de tout le jeu. Surtout que maintenant, Sense est tout seul. Maintenant il y a encore Alphys, je suis con. Oh putain la musique elle est étrange. Hein. Il y avait pas ça avant. C'est très solennel. Hein. Je sais même pas ce que ça veut dire solennel, mais ça l'est en tout cas. So you finally made it. The end of your journey is at end. In a few moments, you will meet the king. Ah bon? Encore? Bah, je vais le tuer directement, moi. Together, you will determine the future of this world. That's then. Now, you will be judged. You will be judged for your every action. You will be judged for every exp you've earned. What exp? Attends, ça veut dire quoi déjà, exp? Je sais plus.
Attends, ça veut dire... Loïc, je sais même plus. Attends, mais je sais même plus. C'est les Earn Point. Bon, je sais plus. Attends, dis-moi. It's an acronym. Exp... Attends. Le X, je vois plus du tout ce que ça veut dire. Execute. Je crois que c'est ça. Hein. Earn Execute Point. Ah oui, Execution Point, c'est exactement ça en plus. Ou c'est pas vraiment un acronyme, mais... Enfin... A way of qualifying the pain you have inflicted on others. When you kill someone, you XP increase. When you have enough XP... XP, on va dire XP parce que j'en ai marre. You love increase. Love, too, is an acronym. Love, ça veut dire... Je sais même plus, j'en ai rien à foutre. Level of violence. A way of measuring someone's capacity to hurt. The more you kill, the easier it's become to distance yourself. The more you distance yourself, you distance yourself. On peut distancer yourself, ça veut rien dire. Hein. Enfin, je ne sais même pas ce que ça veut dire. The less you will hurt. Oula. Attends, est-ce que j'ai compris ce que ça veut dire? The more you distance yourself, the less you will hurt. The more easily you can bring yourself to hurt others. No, you understand. It's time to begin your judgment. Look inside yourself. Have you really done the right thing? Ah mais non mais merde! J'ai oublié un truc, j'ai pas tué tout le monde! Ouais! Attends, dis-moi que j'ai pas tué tout le monde, non il en manque parce qu'il m'en manquait deux je crois. Il m'en manquait trois. Oui allô? Oui, ce serait pour vous affirmer que j'ai complètement chié. Oui. Oui, donc j'ai pas du tout réussi la run génocide, donc je vais être obligé de faire demi-tour et de prendre une sauvegarde que j'ai pas pris avant. Oui. Oui, j'ai chié. Ça me rappelle ma run pacifique où j'avais oublié de dater Undyne. What will you do now? Take a moment to think about this. Attends, je fais demi-tour! Tu m'as pas vu, espèce de con! Non mais ne vous inquiétez... Bah, je sais pas ce qui va se passer en plus. Attends, je peux... Truthfully, it doesn't really matter what you said. All that is important. It's what you realize with yourself. What happened now? Will live up to you? Fourth, one thing about you always struck me as kinda odd. No, I understand acting in self-defense. You are full into those situations against your will. But sometimes you act like you know what's gonna happen! Like you've already experienced it all before! This is an odd thing to say, but... If you have some sort of special power, isn't it your responsibility to do the right thing? No. J'ai envie de répondre non. No. Eh! Well, that's your viewpoint, hein? I won't judge you for it. You dirty brother killer. Mais puisque j'ai pas tué tout le monde, c'est ça qui me paraît étrange. Mais peut-être que j'ai pas... Enfin, je voyais pas en fait qu'il me manque. On va bien voir, on va jusqu'au bout. Et puis s'il y a un problème, et bah, je l'aurai dans le cul. Hein. Parce que lui-même, lui, il me dit plus rien. Hein. Enfin, je sais pas s'il est censé me dire quelque chose d'ailleurs. On va retourner là-bas, parce que c'est toujours très intéressant de voir ce qu'il y a là-bas. Bah tiens, on va voir si... Bah de toute façon, Asgore, a priori, vu que je suis tellement fort, et que j'ai un... et que je suis tellement fort, je le nique en deux secondes. Hein. De toute façon, voilà, Asgore, c'est pas le plus dur, je pense pas. C'est pas un boss si dur que ça. Hein. Tiflock. It's empty. Donc rien de nouveau ici. Bah on va bien voir ce qui va se passer. Hein. Puis au pire, on va revoir Flo, il va dire « Eh ben non, tu t'es trompé, espèce de con. Allez, on recommence. » Mais bon, ouais, sûrement, je suis pas censé le rencontrer, Asgore, je pense pas. Hein. Je crois que j'ai tout chié. Hein. Dum dum dum. Oh, is someone there? Just a moment. I have almost finished watering these flowers. On dirait que t'es en train de pisser dessus quand même. Here we are. Bah dire, je pense que c'est ce qu'il est en train de faire en fait. J'avais pas fait le rapprochement, mais vu qu'il a pas d'arrosoir, je vois pas qu'est-ce qu'il pourrait comment faire d'autre. Oh, can I... Oh! Oh mon dieu, quelle surprise! Oh! I so badly want to say, would you like a cup of tea? But you know how it is. Je crois que je suis pas du tout censé rencontrer ce fils de pute. Pardon, excuse-moi, j'ai dit fils de pute alors que c'est pas du tout un fils de pute. Excusez-moi. Nice day today, huh? Birds are singing, flowers are blooming, perfect weather for a game of catch. Oui, j'ai pris un accent qui est complètement intonné. You know what we must do? When you are ready, come into the next room. Bah c'est ce que j'allais faire en fait, moi que je t'attendais, espèce de connard. Oh, tense.
Just think of it like a visit to the dentist. Bien sûr. Tout à fait. Mais oui, en fait, j'aurais pu tuer le mec qui était aux hamburgers, là. Je l'ai pas tué. Donc ça fait un mec qui est pas mort. C'est pas faux, ça. Bon, ça serait... Mais comment veux-tu le tuer, lui? If you are not, I understand. I am not ready, ever. Mais j'ai pas envie de leur battre, lui. Attendez, là, je suis complètement paumé, hein. Moi, je trouve que je suis paumé. This is what keeps... Mais attends, on le tue. De toute façon, ça va être une partie plaisir, je pense. If by chance you have any unfinished business, please do what you must. De toute façon, moi, j'ai mes sauvegardes qui se sauvegardent automatiquement, puisque j'ai mis le dossier de sauvegarde sur Mega, donc à chaque fois qu'il y a une nouvelle sauvegarde, ça se met sur le cloud. Donc, ce qui est cool. I see. This is it. En plus, j'aime bien le boss. Bon, il a une bonne musique. Bon, allez, on va se... C'est un petit plaisir personnel, quoi. Il n'y a pas de souci, hein. J'ai que ça à foutre de perdre du temps sur un boss pareil. Ready? A strange light fills the room. Twilight is shining through the barrier. Et j'ai déjà fait ce boss 45 fois. It seems your journey is finally over, but pas vraiment, parce que c'est pas vraiment le boss que vous devez tuer. You're filled with... Détermination. Human, it was nice to meet you. Mais je sais pas censé te battre. J'espère que je vais te tuer très très vite. Hein. D'ailleurs, j'ai jamais été level 17 avec 84 points de vie. Hein. Surtout en Pacifique. Où c'était beaucoup plus dur de le tuer pour le coup. Hein. En fait, j'ai envie de me suicider parce que je suis pas censé le faire ce boss là en fait. J'ai oublié un truc là. Mais justement, peut-être Follow il va me donner des indications sur ce que je dois faire. Donc autant continuer. Non mais là, c'est ça, parce que c'est le boss, je le trouve pas très dur. Hein. Enfin, je dis ça alors que je me plante comme une merde. Peut-être que je me ressource en vie parce que je fais n'importe quoi. Ah d'accord, on peut pas se faire toucher avec par les mains, tiens, je ne savais pas. Là, il est super simple comparé avec son effet. Et voilà, du premier coup. Et donc là, normalement, il va me dire, bah donc, tu t'as fait la mauvaise fin, espèce de con. Bah oui. Mais bon, moi, j'étais pour le petit plaisir. So that is how it is. Je suis triste. I remember the day after my son died. The entire underground was devoid of hope. The future had done once again been taken from us by the human. In a fit of anger, I declare war. I said that I would destroy anyone that came here. I would use their soul to become godlike and free us from this terrible prison. Then I would destroy humanity, tout simplement. Excusez-moi. And let monster rule the surface in peace, bien sûr. The people, ops, return. My wife became disgusted with my action. She left this place, never to be seen again. Truthfully, I do not want power. I do not want to hurt anyone. I just wanted everyone to have hope. But I cannot take this any longer. I just want to see my wife. I just want to see my child. Please, young one. This war has gone on long enough. You have the power. Take my soul and leave this cursed place. Bah, je le fight, hein, tant qu'à faire. Maintenant, vu que je suis en génocide, il n'y a aucune raison que je me fasse chier. Même si je ne suis pas en génocide, puisque ça marche pas. Même si fight, pour le coup, ça pourrait peut-être marcher, puisque je suis en génocide. Donc ça le tuerait, et donc ça le comptabiliserait dans le comptage des points. Peut-être. Peut-être ça le truc, hein. J'en sais rien. Hein. Bonjour, Floé. C'était Floé, ça, non? Je sais pas. Floé? Bonjour. Bonjour, Ti. Merci. Bonjour. Dis donc, mais c'était pas du tout prévisible, cette arrivée. So you do recall? In this world? It's kill or be killed. Bah j'ai kill là pour le coup, hein, donc c'est bon.
J'ai appartenu. Oh, qu'est-ce qu'il me fait peur. Il m'a enlevé. À l'aide, au secours. Mais quoi? Mais c'est passé quoi là? Le jeu a été fermé hein. Attends, j'espère que OBS va pas planter. Non, c'est bon, il l'a. On va refaire un... Oh non... Ah mais il me l'a déjà fait ça en plus, je me rappelle. Attends mais... Oh non! Non! Là j'ai fait la boulette nationale. Attends, j'ai peur de ce qui se passe. Attends, à l'aide! Je fais le... Non! Non! J'ai fait une run neutrale en fait là, non? Je fais une connerie. Ah putain! Là je suis en train de déprimer hein. Je fais vraiment de la merde. Attends mais il va pas me dire qu'on est refait. Your feeling left. Mais attends mais le jeu est en plus il est au courant que je l'ai déjà battu, il va pas me le rebattre. Well, that's just perfect. After all, I only sexual. Mais non mais non. Non, genre. Non, arrêtez ce boss, je le déteste. Dites-moi qu'il se passe quelque chose, là, dites-moi que j'avais fait une connerie. Oh, and forget about escaping to your old save life. Fine. It's gone forever. Et pour le coup, je crois que c'est vraiment le cas, parce que j'avais déjà essayé justement de reprendre une ancienne sauvegarde pour pas avoir ce truc, ça a jamais marché. So you can watch me tear, you two bloody pieces. Over, and over, and over, and over. What? Do you really think you can stop me? You really are an idiot. Oui, je suis vraiment idiot pour le coup. Non! À l'aide! Au secours! Aidez-moi! Là, j'ai très très peur. Hein. Je vous le dis. Hein. J'ai très très peur de ce qui est en train de se passer. Non, ce truc est faisable, hein. Je le dis pas le contraire. Il est largement faisable. J'étais pas censé la faire par contre. Hein. Donc là, je suis en PLS. Complètement. Ah! Vous devez dire, visuellement, le boss est impossible. C'est le cas, hein. Le boss est impossible. Eh ben, c'est impossible. Allez, au secours. Mais je sais même pas ce qui se passe. Mais c'est impossible. C'est impossible, je vais mourir. Putain, j'ai mort. Oh. Bah, j'espère que c'est un bad dream. And you're never waking up. Alors là, j'ai envie de faire une pause et d'essayer de reprendre d'anciennes sauvegardes pour pas me reprendre cette merde. Parce que je suis pas censé l'avoir, cette merde, hein. Donc là, le jeu s'est encore fermé. Non, là, j'ai très peur de ce qui est en train de se passer. J'ai très peur. Alors là, c'est interdit de faire ça, mais je vais le faire parce que j'en ai marre. Undertale, Run Genocide, comment on fait pour avoir la Run Genocide? Route Genocide, Wiki Undertale. De toute façon, on est obligé, hein, ça m'énerve. Méthode. Alors, la Run Genocide, en tuant tous les ennemis dans toute la région, la ruine, la forêt de couve-neige, les chutes, la calésia, le noyau, faisant partie du calésia, même compteur d'ennemis. Alors, exigence, tuer tous les monstres. Mais oui, en fait, c'était. J'ai fait une connerie, hein. J'ai fait grave une connerie. Attendez. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais essayer de faire des trucs. Et là, je suis en PLS. Donc, on revient. Pourquoi pas plus tard, mais bon, on verra.